tous, mesdames, messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue. C'est votre émission Le Grand Soir qui prend son envol pour cette première livraison de la semaine. On aura l'opportunité encore de parler des problèmes qui nous concernent, la réalité de notre environnement sociétal et politique au Cameroun, notamment avec ce discours de haine qui semble ne pas vouloir un tout petit peu baisser de pression. Les hommes politiques, encore plus que les autres, sont au devant de la scène avec ces discours qui interpellent et qui peut-être deviennent une menace pour la stabilité du pays. La question, elle est donc à l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce que finalement ces sorties violentes, ces prises de parole pour ce qui est des leaders parfois intempestifs peuvent nuire à la qualité de la paix à l'intérieur du Cameroun? Des questions qu'on se pose. Et avec notre panel, on va essayer d'apporter des éléments de réponse. On parlera également d'un autre problème qui annonce peut-être une situation compliquée et tragique au Cameroun, le foncier. La réforme foncière appelée de tous les vœux par tout le monde semble devenir une urgence au Cameroun au regard des dernières actualités et de toutes les batailles observées, bien sûr, dans ce qui est pour ce qui est du foncier au Cameroun, l'acquisition des terrains, l'établissement des titres fonciers, les micmacs et la mafia qui s'installent autour de cette problématique au Cameroun nous interpellent. L'urgence est signalée et nous, on a décidé d'en faire écho ce soir. Je vous invite à vous installer confortablement. Le temps d'une respiration, on accueille ceux de nos panélistes qui sont déjà installés. Mais je prends toujours beaucoup de bonheur à le réitérer, le 6 99 13 50 75, par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez bien entendu participer à cette émission et n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de l'émission. Peu importe votre position géographique, vous pouvez bien sûr contribuer. Et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennelles vos réactions de ce côté. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à nos panélistes. On va commencer par accueillir Willy Bilinga-Ongola qui est avec nous ce soir. Il est diplomate. C'est toujours un bonheur de l'accueillir sur ce plateau. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à nos frères qui nous accompagnent. Je suis très content de les retrouver aujourd'hui. Bonsoir à toute l'équipe technique, au PDG. Un bonsoir particulier à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Je voudrais informer certains Camerounais, si vous nous permettez, que nous sommes en train de préparer une mission économique du Cameroun en France, au Royaume-Uni et en Norvège au mois de septembre. Donc la mission aura lieu du 12 au 25 septembre 2024 pour redynamiser l'économie qui était presque, parce que nous avons constaté une crise économique avec la pandémie du Covid, donc avec les hommes d'affaires, les PME, puisque la difficulté souvent pour les PME, c'est le financement. Donc il y aura des B2B, nous avons mobilisé des partenaires. D'ailleurs même, vous allez trouver d'autres partenaires qui peuvent nous résoudre le problème des ordures ménagères qu'on retrouve partout à Yaoundé, à Douala et au Bafoussam. Donc cette mission se prépare dans de bonnes conditions sur le parrainage du chef de l'État. D'accord. Une fois que vous aurez fini de tout cuire et qu'il y aura des conditions, n'oubliez pas de venir donner un peu d'argent à Info Télévision pour communiquer officiellement. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas accueillir mon diplomate et ami Willy Bilinga-Ongola doucement. Je suis très douce. J'ai dit juste que même en mangeant comme ça, pensez parfois à faire tomber les miettes sur le sol et que nous on puisse ramasser. Quand c'est même fort, amenez-nous vivre avec nos yeux ce qui se passe. Comme ça, on vient dire des choses vues et entendues. C'est pour ça que j'ai dit, nous serons très heureux de vous d'être avec nous pendant la mission pour mieux prendre les informations et communiquer. Voilà, voilà qui est mieux. Bienvenue. Merci. Voilà. On va également, monsieur le maire, je ne comptais même pas encore t'accueillir. Tu es tellement entré dans ma salutation avec Willy Bilinga-Ongola que tout le monde a entendu ta voix au quartier. Je suis obligé de virer et de dire bonsoir à Sylvestre Lebel Nyek-Nyek, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, qui est avec nous ce soir. Bon, qu'est-ce qui est drôle? Déjà, bienvenue. Merci. Je ne dois pas demander pour Info TV. Madame, même comme on dit souvent que tu demandes avec la bouche, tu vas manger avec quoi? Madame Gessely, je ne savais pas que les gens avaient entendu ma voix jusqu'au quartier. Puisque mon voisin me semble ne l'avoir pas entendu, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que je suis là. Je vous dis merci pour m'avoir encore convié à cette émission. Je suis heureux de retrouver mes amis que je n'ai pas vus depuis Don Willy. Et mon oncle Kungu. Voilà. C'est pour guider la caméra de son côté. Et je vais laisser le reste. Merci une fois de plus.
tout ce que c'est dit et que finalement, je sens que cette émission, on va me transporter, je ne vais pas transporter l'émission, hein, puisqu'on me dit que je salue après. Donc du coup, Ferdinand Kungu est avec nous ce soir. Il sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Bienvenue. Ça fait un petit moment. Bonsoir Rosalie, bonsoir Rosalie, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tous les copanélistes. Effectivement, ça fait un petit moment, mais bon, il y a un moment où on est tellement tiraillé par un ensemble de responsabilités. C'est maintenant que je commence à comprendre que mon père était très fort, parce qu'il réussissait à gérer plusieurs choses et avoir du temps pour tout le monde. C'est difficile quand on ne s'appartient plus. Et ouais, qu'on appartient maintenant aux autres, il est difficile même de s'occuper d'être disponible pour tout, surtout que tout le monde est exigeant. Ouais, justement, justement. C'est le quotidien de tous les hommes et femmes publiques de ce monde. Donc, je peux bien comprendre ce difficile que vous dites. Hein. Parfois, votre propre famille a l'impression qu'ils doivent discuter votre amour avec les étrangers. Ou bien que vous les avez abandonnés. Que vous les avez abandonnés au détriment des autres, comme ils disaient. Parfois, même, ils vous font des petits messages, hein, votre fils. Votre fils vous fait un message parce qu'il vit hors de la ville, il vous fait un message très tôt le matin. Papa, je voulais juste m'assurer que tu peux encore lire un SMS. Donc, pour tu dire, pour dire, dire que non, ben, tu lui passes un coup de fil en lui disant, mais jeune homme, ton père vit, il n'est pas encore mort. Il dit, ah ouais, j'ai entendu ta voix, c'est bien, on avance. C'est une façon de te dire, je te sens pas. Vous justement, je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est notre réalité à nous tous. Hein. C'est pas facile tous les jours, mais je crois que ceux qui nous entourent, Dieu les sélectionne aussi, ils finissent par comprendre un tout petit peu que parfois on ne s'appartient pas. Merci d'être là. Allez, on va accueillir El Hadj Mayriga Ibrahim, qui est avec nous également ce soir. C'est un homme politique. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. C'est toi qui as dit merci pour l'invitation, une fois de plus, Rosalie, de m'avoir souci à ce grand panel. Je me découvre aujourd'hui, en face de moi, mon ami Kungu. Il les échange souvent. Vraiment, sinon, bonsoir, n'est-ce pas, aux millions de téléspectateurs qui attendent de nous certains éclairages. Et je voudrais profiter justement pour présenter mes excuses la semaine passée. Je ne sais pas quelle semaine là avec Madame Bengoro. J'ai eu des retours, non. Mm-hmm. Parce que les gens ont écrit de partout, ils m'ont écrit, n'est-ce pas, fustigeant certaines choses. Je dis non, nous ne venons pas ici pour nuire ou pour plaire à des personnes. Nous avons un seul objectif, tous les Camerounais. Éclairer la lanterne des Camerounais. Voilà, rien dire pour plaire, rien dire pour nuire. Hein, nous convergeons tous pour le bonheur du Cameroun. Ouais. C'est tout. Donc, la paix coup, dans ce pays. Ne pas être d'accord, c'est pas... Voilà, ne pas être d'accord, ne veut pas dire parce que... Non. C'est clair que c'est de la contradiction que ne la lumière. Donc il faut bien qu'il y ait des avis divergents pour qu'on finisse par converger vers quelque chose de positif pour le pays. Si tout le monde dit la même chose sur un plateau, pourquoi on organiserait un débat? On devrait seulement dire la causerie et puis tout le monde venait s'asseoir. Voilà, on vous envoie le communiqué et ça suffit. C'est clair, ça suffit, vous lisez, vous vous couchez. Donc si on dit débat, c'est qu'on voudrait entendre l'avis de tout le monde. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. On peut voir par... Non, rassurez-vous, si ça avait déjà atteint le degré où c'est la haine sur mon plateau, première. Nous sommes là pour appuyer même. À m'inquiéter. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'aime même voir les gens sortir leur colère sur mon plateau. Ça évite qu'ils n'aillent sortir ses colères dans la rue. Parce qu'il y a beaucoup de colère actuellement. Et justement, moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est pas parce que nous sommes les plus intelligents que nous sommes là. On est d'accord. Beaucoup veulent être dans notre place. Peut-être par manque de courage. On est d'accord. Ils sont par peur, par autre chose. Nous faisons quand même le risque de venir nous opposer. Vous êtes des millions à nous regarder à travers le monde. Faut dire qu'Allah dit aime étant du RDPC. Voilà. Donc, je ne peux pas partager la vie avec vous. Voilà, faut le dire clairement. Monsieur Kungu est là. Sauf que sur ce plateau, il n'est pas invité comme tel. Voilà. Je n'ai pas invité à la tête. C'est la raison pour laquelle je le dis très souvent ici. Voilà. Il y a des débats qui introduisent le côté transpartisan des avis à donner. C'est clair. Nous sommes tous... soit victime de ces discours, soit acteur. C'est-à-dire que ça va au-delà des familles politiques. Parce qu'on peut avoir l'impression à l'écouter qu'il est
en dehors du RDPC. Il est à l'intérieur, mais il a un discours beaucoup plus cohérent. Mmh. Il ne défend pas, il défend la cause. Il ne défend pas les personnes, mais voilà. Il donne son avis sur les sujets. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré la dénomination de homme politique, parce que ça évite qu'on on enferme son propos dans une caisse de parti politique et qu'il puisse s'exprimer librement. C'est un choix qui est le mien. Lui, il revendique d'ailleurs cette casquette sur ce plateau à Cré et à Sang, mais je refuse parce que il n'est pas comme les autres. Il est en dit RDPC, donc je ne vais pas lui attribuer une casquette qu'il ne va pas bien porter. Ça, c'est voilà, sur ce plateau. Il faut laisser. Je vais faire une petite anecdote. Hein. Ouais. Hier, je partageais un verre avec mon oncle Congo. Mm-hmm. Hey, toi, j'ai même invité les amis. NPCIS nous a retrouvés. Mm-hmm. Et beaucoup d'amis du RDPC sont venus, y compris une personne d'une chaîne de télévision que je ne citerai pas ici. Et mon camarade du parti s'est offusqué du fait que je sois même avec eux. Vraiment. C'est tellement de choses ahurissantes. Ce sont des anecdotes qui peuvent rentrer dans notre premier sujet. Parce qu'on va juste parler justement de discours de haine. Hein. C'est vrai que j'ai rajouté en politique parce que c'est un peu plus cet axe-là, cet espace-là qui est beaucoup plus au cœur même de notre problème. On s'est rendu compte que c'est beaucoup plus les hommes politiques, les femmes politiques, les leaders d'opinion qui transportent ce discours et qui finalement distillent au sein de la population, créant cette divergence d'opinion qui est normale, mais qui après vire un tout petit peu à une violence qui devient un peu physique au Cameroun. Alors nous, on commence à s'en inquiéter un tout petit peu. Peut-être, je lis mal, Ferdinand, peut-être tu as une autre lecture de ce qui se passe autour de nous. Est-ce que finalement, on peut comprendre la posture qu'ont les hommes politiques aujourd'hui de se dire que c'est dans le ton violent qu'on peut se faire entendre? Parce que c'est l'impression qu'on a qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler simplement, c'est dans la violence, dans les menaces, dans les invectives, qu'on passe le message. Est-ce que c'est la nouvelle donne pour 2025 où on doit se préparer à vivre dans cette température-là, où on pourra encore faire quelque chose, de prime abord? Je pense qu'on va... On peut comprendre, mais il faut condamner. Mmh. On peut comprendre parce qu'effectivement, il y a des leaders politiques qui estiment que c'est le moment d'exister par... c'est aussi de la communication. Mm-hmm. Sauf que là où c'est dangereux, c'est que ça peut avoir des effets néfastes dans le vécu des Camerounais ou dans la perception. Parce que j'ai toujours défini notre opinion en trois... Je l'ai sectionné en trois parties, l'opinion camerounaise. Il y a la première partie, c'est des gars... c'est un groupe hyper intelligent, qui comprend tout, qui peut analyser, qui peut discerner. Le deuxième groupe comprend, mais fait semblant, ou bien alors, par mauvaise foi, suit des discours qu'eux-mêmes, ils savent mauvais. Mm-hmm. Le troisième groupe, c'est ce que j'appelle le grand marais. Et c'est ce groupe-là qui est justement une véritable bombe à retardement. Donc, ces gens qui peuvent absorber tout et qui peuvent se lever pour dire à gauche ou à droite. Mm. Et les politiques, je parle bien des politiques, pas des politiciens, parce là j'ai déjà regroupé tous les acteurs qui sont dans l'espace politique, qui ont compris ça, justement, font des sorties pour faire des appels des pieds à ce marais. La tendance est à jouer les dangereux, entre guillemets, pour parler trivialement, aujourd'hui. Et les discours de haine, en fait, c'est un manque de véritables projets de société à vendre. Parfois, c'est un construit chez certains politiques qui veulent instaurer dans la compétition politique des fonds de violence ou des relents de violence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nous sommes dans un combat. Il y a certaines postures qui vous renvoient plutôt à quelqu'un qui est non plus en train de tenir un discours politique, mais quelqu'un qui est, c'est pas, dans une sorte de rébellion, ou c'est pas encore dans l'autodétermination, ou un meneur des troupes. Pour le chaos? Non. Vous savez, le Cameroun est tellement complexe que quand je vois des gens s'amuser, les Camerounais ont intérêt, tous, autant qu'ils sont, et quelle que soit la position sociale, à ce que la situation soit stable. Quelle que soit la position sociale des uns des autres, même ceux qui sont au plus bas, les pauvres, les riches, ils ont intérêt à ce que la situation soit stable. Maintenant, il nous appartient à nous, les leaders, parce que nous le sommes ici. Là, je crois qu'on parle, ça passe à Canal, ça dit, il y a des millions de personnes qui regardent. On doit faire très attention à certaines approches. Parce qu'il y a même
au départ, on peut contrôler son discours. On peut tenir certains propos pour fédérer des gens qui sont dans des logiques et exploiter un peu leur frustration, leurs aigreurs. Sauf qu'il y a un moment où parfois l'appareil, la machine nous échappe. Mmh. Et là, tous les esprits malveillants se mettent... C'est pour ça que... Est-ce que c'est toujours une malveillance aussi de s'exprimer avec vigueur? Est-ce que par moment on n'y est pas poussé aussi, puisque vous parlez du marigot politique à l'intérieur, on a un peu de tout, l'opposition, le parti au pouvoir, je ne vais pas dire le bétail électoral, mais j'ai envie de dire le bétail électoral. Vous l'avez dit d'une certaine manière, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent à rien du tout, qui, je vais peut-être dire les ignorants, ceux-là qui ne cherchent pas à comprendre, qui suivent les suivistes, les suiveurs. Quelle que soit la raison, quand on est un leader et qu'on se sait suivi et écouté, il y a un contenu, une posture à avoir, propre qu'on doit mettre à son discours. Parce que c'est nous qui le disons. Les gens peuvent le prendre au premier degré. Imaginez un seul instant, je suis un acteur du RDPC. Mmh. Je viens ici sur ce plateau en disant, bon, préparez-vous à la guerre parce que nous allons nous battre. Et jusqu'à la dernière minute, on va défendre notre champion. Si quelqu'un veut essayer de nous prendre notre place, alors on peut tout casser et puis advienne que pourra ceux qui vont rester en vie, hein, vont rester, enfin, pour paraphraser quelqu'un, vont rester arrangés. En ce moment-là, hein, n'est-ce pas? Je viens, au lieu de tenir un discours politique, je viens de lancer de façon sibylline un appel à ce que les gens, parfois sans plus convoquer le bon sens, se refuse à jouer les règles telles qu'elles doivent être respectées, à respecter la loi, à respecter le droit, et puis à se mettre dans une logique où on nous a dit qu'ils feront ça, parce que le RDPC nous a dit que de toutes les façons, il faut qu'on se prépare au combat. S'ils perdent, on va se battre. N'est-ce pas? Là, il y a une frontière très infime qui peut être traversée, après on ne contrôle plus rien. C'est-à-dire que là, je parle de... Ou bien alors, en réponse à un discours... Parce qu'il y a eu des expressions. Aussi. Il y a eu des mots. Mm-hmm. Citez-les aussi, puisque entendu, vous avez cité ce professeur Canton. J'ai entendu être maléfique. Mm-hmm. J'ai entendu la mèche dans la bouteille de gaz, je crois. Ou bien dans la poudrière. J'ai entendu Moulinex. Oui, je vais y arriver. J'ai entendu. Sauf que. Bon, avant du sauf que, Sauf que. Nous parlons ici des discours de haine. Justement, Moulinex, pour vous, c'est nous pas... Parlons, non, je suis en train de parler. Non, allez-y, nous parlons allez, ici des discours je suis de pas haine. Encore violente. Nous devons faire très attention quand on a une posture, qu'on a une visibilité, quand on a une voix autorisée, une voix qui porte aux mots qu'on utilise ou au discours qu'on tient. N'est-ce pas? Qui que ce soit, c'est l'heure de PC qui parle. Vous avez vu la sortie du secrétaire général adjoint du RDPC qui a essayé d'être temporisé en disant non, mais il a fait un petit communiqué, le camarade Grégoire, en disant non, mais tel que c'est parti et tout, ce n'est pas ça. Là. Les élections, bien le champ politique, c'est une compétition saine, c'est l'adversité. On ne devrait pas. Il est aussi ministre, mais il tient ses discours pour essayer de recadrer les dérives. Parce que, je l'ai dit tantôt, au premier degré, certains mots prêtent à confusion. Au premier degré, on va allumer une mèche dans une poudrière. Oh, attention. Bon, on peut tout casser. Bon, ceux qui vont rester en vie, c'est-à-dire qu'on annonce déjà de façon indirecte un grand cataclysme, un schisme qui pourrait dérouler et engendrer beaucoup de morts. C'est-à-dire que c'est quoi? On n'est plus dans le champ politique où je dis vous allez voter Ferdinand Congo. Bon, je vais régler vos problèmes. Bon, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan. Non. On est dans la logique où, bon, comme vous avez l'habitude de faire ça, parce qu'il y a même un procès d'intention derrière. Bon, si vous le faites, je vous dis à vous, nous allons nous battre, quitte à ce qu'on s'entretue, ceux qui vont rester en vie. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Sylvestre Lebel, il y a un problème. C'est pourquoi nous sommes là, parce qu'on sait qu'il y a un problème. On a un discours de haine et on essaye honnêtement de comprendre pourquoi ça prend de l'ampleur et que ça ne baisse pas. Mais là, il vient d'ouvrir une fenêtre. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'environnement politique qui prête également à cette réalité-là aujourd'hui?
où on a des gens qui aspirent à un poste qu'ils trouvent bloqué, et en face, des gens qui trouvent qu'ils veulent réguler ce qui se passe à l'intérieur du pays, mais qu'on soupçonne, puisqu'on parlait de procès d'intention tout à l'heure, on soupçonne aussi d'avoir des doubles et triples casquettes derrière leur sortie. Madame Gessele, il y a beaucoup de problèmes. Il y a en réalité deux ou trois catégories d'acteurs politiques. Ah, lui, il a sorti les honnêtes, les gens de la mauvaise foi. Moi, je ne juge pas, je regarde les postures. Je décris les postures. Il y a des gens qui, sans avoir une cassette politique nationale, ont la chance d'être dans l'instrument de mise en œuvre des politiques que j'appelle le gouvernement. Et qui parlent très, très brutalement. C'est la catastrophe. Véritable catastrophe, hein. Faut pour le gouvernement ou le parti auquel ils appartiennent de les reprendre. Pas seulement d'arrondir les bouts, de les reprendre. Que ce qui a été dit là n'engage pas le parti, ça engage l'individu. Que ce qui a été dit n'engage pas le gouvernement, ça engage l'individu. Faut pour le faire. Les gens qui ressortent ce genre de discours, il y a deux catégories. Il y a ceux qui réagissent parce qu'ils veulent suivre l'opinion. Mais il y a ceux qui construisent l'opinion en vous disant que même si c'est elle qui dit ça, on ne doit pas le dire. Je fais partie de ceux qui pensent qu'à tout moment, un homme doit rester lucide. Ça veut dire que même si vous êtes attaqué, comme c'est généralement le coup, parce que malheureusement, lorsque les gens sont habitués à attaquer les autres se mettent constamment à la défensive. Et il y en a qui ne comprennent plus leur vocabulaire. Lorsque quelqu'un vient à vous interdire l'usage de certains mots français, vous imaginez ça? Et que tout le monde soit calme. Il vous dit, tel mot allié appartient à tel. Tout le monde se tait. Lorsque vous recevez ça, et vous savez qu'à tout moment, ce monsieur a la capacité de vous arrêter. Et si vous, on peut m'arrêter, si vous ne ferez rien. Parce que j'ai parlé, j'ai trouvé l'autre public. Ça veut tout dire à la fois. Il y en a donc qui, sachant que l'opinion n'est pas d'accord avec ce mot, commence à accompagner l'opinion, c'est-à-dire ils font un discours pour plaire à l'opinion. Mais à chaque moment de la vie, il faut savoir que moi je ne crois pas aux partis d'opposition. Je crois aux partis autres que ceux qui sont au pouvoir. Parce que l'opposition n'est pas une posture permanente. On passe par là parce qu'on veut arriver au pouvoir. Et alors, après on devient le parti au pouvoir. Malheureusement. Et ça veut dire que lorsque vous êtes dans l'opposition ou dans le pouvoir, il faut savoir que les choses peuvent changer à tout moment et que vous vous retrouviez n'importe où. En ce moment-là, je voudrais vous inviter à enregistrer ce que vous avez dit pour réécouter ça quand vous êtes la même posture. C'est souvent très dangereux. Et c'est pour ça que nous qui pensons qu'on appartient à la classe d'hommes politiques lucides, qui quelquefois sont mis en minorité dans nos propres partis. Parce qu'on vous dit, mais les gens nous ont attaqués, vous êtes là les caresser. Vous leur répondez, le Cameroun dépasse tous les partis. Parce qu'effectivement, c'est dans la logique que, bon, comme c'est gâté, c'est gâté. On va transmettre que les vivants restent. Il peut ne pas avoir de vivants. Hein. C'est possible. L'apocalypse. Et c'est pour ça qu'il faut, maintenant, je peux dire, catégoriser le discours de haine. Parce qu'en fait, vous savez, lorsque vous avez le pouvoir, c'est vous qui dites ce qu'est le discours de haine. Oui, mais c'est vous. C'est vous, malheureusement. C'est vous qui décidez de ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, ce qui est pour normal. Pour le cas du Cameroun, il faut le regretter. Pour le cas du Cameroun. Parce que je dis là, il devait être faux pour tout le monde. Mais le Cameroun, étant le continent, est une spécificité mondiale. Oui, ici, l'administration dépasse la loi. Oui. C'est ça le comble. Comme je suis en position administrative de pouvoir, c'est ce que je dis qui est la loi. Et malheureusement, il y a des intellectuels qui commencent à défendre ça. Ils vous disent, lorsqu'on ne respecte pas la loi, c'est la raison d'État. Mais il n'y a pas d'État sans loi. Il les a catégorisés tout à l'heure dans donc, la mauvaise c'est, foi. C'est ça le danger. Donc moi, je voudrais finir en vous disant que lorsque vous nous donnez le privilège de venir discuter des choses assez délicates ici, nous prenons le risque, il faut qu'on soit sérieux. On ne veut pas assez pour faire les coucou aux ministres, on veut non pour les attaquer. Mais il faudra qu'on reste cohérent parce que dans tous les cas, un jour, moi j'ai l'habitude de dire à mes enfants, comme je n'ai pas le pouvoir de faire, même pas de faire, j'ai la chance de parler. Lorsque le bon Dieu auquel moi je crois, chacun a peut-être le sien, mais celui auquel moi je crois qu'on appelle le lomi dans ma langue maternelle, il faudra que l'autre va me demander, quand le Cameroun allait à voler, toi tu as fait quoi? Qu'est-ce que toi, sans pouvoir, tu n'as rien, tu as fait quoi? Il faudra que ce cap de dire ce que j'ai fait. Je lui dirai, moi j'ai parlé.
Je vous ai parlé, je vais raconter une histoire tout à l'heure qui était assez violente, c'est-à-dire un camarade du parti qui ne pouvait pas comprendre que les gens avec qui je suis en désaccord politique et moi il faut dire très régulièrement d'ailleurs, parce que la posture politique doit être dans la politique. Mais vous ne pouvez pas la maintenir, vous ne pouvez pas être l'homme politique dans votre famille, avec votre épouse, avec vos frères, partout. C'est très grave. Je vous ai dit, hier, on a dû passer plus de temps parce qu'il fallait que moi j'apaise. Parce qu'en fait, la personne qui était fâchée était la mienne. Parce qu'il ne me pardonnait pas d'accepter d'écouter ce qu'il disait, sur lequel je n'étais pas d'accord. Parce que non, on peut ne pas être d'accord et s'écouter. Il trouvait que j'étais faible. Il a même dit que je suis un homme du RDP, ça m'a donné. Parce que pour lui, lorsqu'on a eu UPCiste, tout ce que le RDPC doit être condamné. Et tout ça, je vous dis ça pour, parce qu'il faut rester lucide au nom du Cameroun, de sa survie et de la paix. Est-ce qu'on va se dire qu'on est passé donc à l'extrémisme politique au Cameroun? On est en train d'y aller malheureusement. Et je dis quelque chose. Et je finis par là. C'est ceux qui sont en position de pouvoir, qui ont le devoir, certainement, d'éduquer les autres. Parce qu'ils doivent passer par l'exemple. Vous savez, on dit chez nous, c'est celui qui a la matière par le manche, qui choisit de blesser ou d'apaiser. Lorsque ceux qui sont au pouvoir, pas tous évidemment, il faut être honnête, choisissent un vocabulaire, je peux dire, je vais être gentil. Haineux. Hein. Il y a plus que violent. Non, violent, c'est rien. Provocateur. Il n'y a pas de mots. C'est-à-dire, écoutez, madame Besselé, si vous dites à quelqu'un, je vais vous envoyer les abeilles. Laissez pas affamer, c'est pas violent, c'est la catastrophe. Et s'il est repris, c'est un peu lorsque vous venez chez moi, mon enfant part, il peut vous manquer de respect. Ce que vous faites, c'est que vous ne le regardez pas. Vous vous retournez pour me regarder. Monsieur, est-ce que c'est ton toi enfant, c'est... Non. Est-ce que c'est toi qui as demandé à ton enfant de faire ça? Si je ne dis rien devant vous et que je fais semblant que vraiment je l'ai grondé, et non, je dois le faire pendant que vous êtes là. Pour qu'ils sachent que lorsque je suis avec des gens, ils doivent les respecter. Tout à fait. Pour qu'ils sachent le respect normal. Ce n'est pas une histoire où on choisit. Non. Mais le comble, c'est qu'aujourd'hui, moi, sans être d'accord avec ceux qui réagissent, en refusant de les comprendre, je me trouve dans l'obligation de les comprendre. Et j'ai dit, lorsqu'un homme a acculé et qu'il est dos au mur, qu'est-ce qui lui reste? Comme on ne peut pas casser le mur en rentrant, il va être obligé de défoncer. Et lorsqu'il fonce, il ne se contrôle plus. Et c'est pour ça qu'il est important que ceux qui ont la matière par le manche, je suis d'accord, parce que quand le chef est là, je parle des choses sérieuses. C'est celui qui a la matière par le manche, il choisit soit de faire la guerre, ça va lui blesser, soit d'apaiser en disant, mon frère, enlève ta main de la matière, là, il peut te blesser. Mais lorsque celui qui a la matière, la balance partout, ce qui va se passer, là je parle des allégories, c'est que comme nous n'avons pas les machettes, nous n'avons pas les abeilles, on va être obligé de commencer à parler un langage qui n'est pas bon. Et on se retrouve tous en train de préparer la guerre. Et malheureusement, dans ce système, il y en a qui préparent la guerre parce qu'ils sont certains que si le régime s'est fini, si Paul Biya quitte le pouvoir, parce qu'ils ont l'argent que Paul Biya, aujourd'hui s'occupe de très peu de choses, parce que c'est un homme d'un certain âge, qui ne peut, tout, c'est normal. Hein? Je courais quand j'avais mon âge, aujourd'hui je cours plus quand je marche. Je mets à sa place, c'est normal. Ils se disent donc que si quelqu'un d'autre, de plus vigoureux, arrive, il n'est pas possible de leur pardonner ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. Ils vont créer le chaos, de manière que lorsqu'on va gérer le chaos, on va oublier les vraies choses. Et je leur dis, le Camerounais est lucide. Nous savons chaque jour, quand nous sommes insultés, là on veut nous entraîner. Et on ne va pas permettre que ce pays aille là-bas. Chacun doit savoir qu'à défaut de payer pour ses gaffes, il en sera tenu au moins responsable. Pour ne plus avoir l'occasion de gérer ce qu'il a géré avant de la façon catastrophique. Willy Belinga Ongola, au regard des propos de M. Nyek, on retient que peut-être les violences aussi observées de par ceux qui sont de l'opposition sont des répliques aux violences qui viennent également de ceux qui tiennent le pouvoir entre les mains, et que si on voudrait réussir à avoir un discours plus apaisé, il faudrait que ceux-là qui ont le pouvoir, c'est-à-dire qui ont la décision, apprennent également à contrôler leur vocabulaire, parce que le tout n'est pas de dire à celui qui est en face, ne parle plus ainsi, ne fait plus ainsi, tu risques de créer le chaos. Il te dit cette façon. Pendant qu'il le dit, lui aussi il est en train de te frapper. Il te frappe à te disant, et puis on a des enfants un peu délinquants aujourd'hui. Quand tu frappes trop, il finit par bloquer, et puis un jour il te donne un coup de poing. Et on finit par dire qu'il a tapé son père. C'est à peu près à ça qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Il faudrait peut-être que chacun se regarde dans un miroir aussi pour qu'on contribue tous.
Oui, Rosalie, moi je condamne ces discours haineux qui amènent toujours le chaos. Bon. Dans tous les pays au monde que vous avez trouvé le chaos, c'est par ces discours. Les causes, c'est quoi? Donc c'est menaçant pour vous, c'est vraiment menaçant. C'est menaçant. Les causes, c'est souvent quoi? C'est l'injustice. Absolument. C'est, oui. Quand vous êtes, je prends un exemple, on vous enlève du travail abusivement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez tous les voies de recours, personne ne vous regarde. Vous allez porter votre destin en main et dire, comme il a si bien expliqué, à la guerre comme à la guerre. Il y a les désespoirs. Les jeunes qui n'attendent, ils n'attendent de rien et de rien et qui trouvent que certains ont bloqué l'appareil gouvernemental. C'est pour ça que moi, je dis toujours à nos frères et nos aînés, qui sont à la fonction publique, qui doivent souvent quitter les choses avant que les choses les quittent. C'est-à-dire, on ne prépare pas la requête le jour de la requête. Non. Je ne comprends pas comment tu travailles 30 ans. Tu fais 30 ans de service. Tu prends encore le prolongement de 2 ans. Tu demandes encore 2 ans. Tu veux encore 2 ans jusqu'à 10 ans. Mais tu peux te reposer. Ailleurs même, vous pouvez créer un cabinet conseil. C'est-à-dire, pour ne pas être dérangé comme les autres qui ne font rien. On vient pour prendre plutôt des conseils, des orientations à votre niveau. Donc, ça crée des distances et ça qui crée encore ces discours. C'est-à-dire, quand tu es désespéré de tout. Je vous prends un exemple. Vous êtes en train de préparer votre mariage et mon frère du RDPC m'a promis de me donner 100 000. J'ai mis ça dans mon programme. À la dernière minute, c'est-à-dire le jour du mariage, il ne me prend plus au téléphone. Vous croyez que le lendemain, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais l'agresser directement. Qu'il est jaloux. Il est jaloux. Il ne voulait pas que le mariage se fasse. Il ne voulait pas. Mais c'est vrai. Je peux encore vous donner un exemple. Si vous arrivez dans vos arrondissements, vous trouvez même que c'est lui qui était le dernier de la classe, qui ne fait absolument rien, qui est médiocre, qui fonctionne avec vos élites du village. Vous croyez que qu'est-ce qui va se passer? Et c'est le rôle qu'il joue, c'est quoi? C'est de suivre les autres. Et vraiment, Excellence, vous suivez ce que l'autre vous a dit. Vraiment. Vous suivez. Et conférence, vous ne devez même plus saluer parce qu'il ne vous a. À la fin, pour attendre quelque chose en retour, c'est-à-dire les petits bons de carburant. Et on va vous dire non, il faut créer une petite société pour gagner des marchés. Et c'est là où ça fonctionne. Et vous, au quartier, alors que le ministre commence à vous haïr au quartier, ne vous salue même plus, en vous demandant qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur alors que c'est l'autre. Ça existe dans nos arrondissements. Et c'est ça qui alimente même la politique dans nos arrondissements. C'est-à-dire des fainéants sont devenus quelque chose alors qu'ils ne pouvaient pas avoir, ils n'ont ni de compétences, ni d'expérience. Le casting s'est fait à partir de l'idée du village. Le casting s'est fait à partir de l'idée du village. L'idée du village. Pour mieux insulter, les intelligences et des valeurs. Parce que c'est frustrant encore. Donc, ceux qui sont bien sélectionnés, les deux du village, pour mieux et ils sont désespérés. Dites que vous êtes intelligent, vous êtes donc qui là? Bah, lui, il n'est rien du tout. Ils sont désespérés. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est ces discours. Parce que parfois, même, ils n'ont pas de force pour prendre les armes. Ou bien, ça sera ça. Au moins, il va falloir. Je prends un exemple chez moi. J'ai vu un beau matin, on a enlevé un de nos aînés, grand frère ministre. Les jeunes ont pris les plancards pour dire merci au chef de l'État. Oui, allez à Zuetel. Moi, je suis de Zuetel. J'ai dit le président devait passer pour aller à Mouyoumessal. Ils ont fait les banderoles, les plancards, les t-shirts pour dire merci au chef de l'État. Dans les ils ont été débarrassés de. C'est-à-dire qu'ils sont contents. Un potentat qui certainement c'était pas un aîné qui était vraiment, qui ne pouvait pas, qui n'aidait pas, ou bien qui ne venait pas en aide, parce que c'était les petits blocages de ceux qui sont avant l'aîné. C'est-à-dire ce qu'on a pu déjà. Le fan club. Qui ne donnait même pas l'occasion. Non, en fait, sauf que c'est seulement le bétail électoral après. Pour ajouter un peu à ce qu'il a dit, qu'est-ce qui se passe dans ce qu'il a expliqué? Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux responsables. Le premier responsable, c'est le leader lui-même, c'est l'élite. Absolument. Qui construit une cour et choisit qui fait partie de sa cour. Le deuxième responsable, c'est justement ces médiocres et ces idiots sélectionnés au volet, triés au volet, qui estiment que leur moment de gloire est arrivé et qu'il faut bloquer toutes les intelligences.
sacré, je vous dis sacré des divisions dans jusque dans des familles nucléaires. Oui. Je vous dis, je vous souhaite pas d'avoir dans votre famille un monsieur qui va toucher les sommets au Cameroun, genre DG, ministre. Il n'y a pas meilleure façon pour que la famille vole en éclat. Parce qu'il s'installe des choses, vous n'en revenez pas. Vous avez l'impression que votre proche, votre père, votre oncle est devenu. Mais vous rencontrez même des gens qui viennent vous narguer, mais qui d'où il sort celui-là. Moi, et puis le discours vrai, la vérité, la sincérité, fout le camp. Ça devient une cour, c'est des laudataires qui viennent lui dire attention, tu es très intelligent, tu réussis tout. Quand tu dis quelque chose, c'est bien. Et vous qui lui dites non, attention, tonton, mais moi j'ai comme l'impression que vous êtes en train de prendre un virage à gauche là, et ça risque de. Comme il arrive là, je voulais qu'il dise quelque chose en quelques secondes. Non, attendez. Ouais. C'est pas. Permettez qu'on y aille. Que je n'oublie pas, pardon. Non, il faut oublier même. Oh là. Il faut oublier, monsieur le maire. Oublier. Il faut que je dise ça, qu'on entende ça. Que quoi? Voilà. Que le FDPC en son sein a 3 ou 5 catégories de militants. Ceux qui détestent Biya lui demandent tu dois mourir là. Quitte à ce que tu baves, que ça se moque de toi. C'est comme les gens du village qui disent au ministre qu'il est très beau. C'est la même chose. Lorsqu'on est honnête avec son père, on ne dit pas à son père, va te reposer. On commence à faire ce qu'il faisait et il se retrouve au repos. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ça dit que non, papa va te reposer. Hein? Si son père se levait le matin pour aller faire le vin de palme, le jour qu'il se levait et que tout le vin de palme est prêt, il ne va plus au champ. Mais voilà les mêmes gens qui m'ont bien sûr présenté à Dino et Ténam, que lorsqu'on leur confie des ressources, ils pillent le Cameroun. Je vois plus parce que si Paul lui était sûr que j'ai nommé un gouvernement de 60 personnes, le Cameroun va bien. Mais ce monsieur ne parlait même pas de son âge. On s'en foutait. Si tout ça, on a une capacité de faire quelque chose, faisait ça. D'accord. Pourquoi penser que le Cameroun va se reposer? Il serait au repos en étant là. Pour permettre à lui de son propos. Je vous ai présenté quelques causes qui amènent ces discours. Ces discours et que finalement, il y a des gens en colère, il y a des frustrés, il y a des désespérés. Il y a la justice, voilà, et des gens, des réactionnaires également. Il faut voilà. Et l'État, ce que je partage avec mon frère, l'État a un rôle d'éducateur. Ils doivent éduquer des populations, des masses. Ils doivent sensibiliser ces populations et eux-mêmes, ils doivent être l'exemple pour ces populations. Prêcher par le modèle, eux-mêmes. Et ce qui nous dérange un peu aussi, c'est ils emploient le personnel, les fonctionnaires, parfois, pas pour leurs compétences ou leur expérience, mais par affinité. Mm. C'est-à-dire, si vous allez dans un ministère, vous allez trouver que le chargé de la communication, parfois, n'est même pas dans le domaine de la communication. Okay. Ça fait que quand on prépare un communiqué, vous avez cité un communiqué, les experts du domaine ne sont pas là. Pour rédiger, c'est-à-dire quelqu'un va faire ça à la latte. Du coup, on a un communiqué qui ne respecte pas mélanger les, parfois même les thèmes, c'est-à-dire telle chose doit venir avant telle chose. est-ce que le communiqué n'est pas au-dessus d'une décision au niveau hiérarchique, la décision n'est pas au-dessus de l'arrêté, l'arrêté n'est pas au-dessus du décret. Et tout ça, c'est un mélange. Ouais. Donc, parfois, c'est des secrétaires qui le font parce que quelqu'un, lui aussi, il faut parfois maîtriser nos, je peux dire, nos colères, la colère que nous avons avec. Donc, vous avez l'impression qu'on est parfois versé les émotions dans les émotions, dans les communiqués, et parfois ça crée tout ça. Parce que vous allez constater, si on communiquait soit à 18h, 19h, parfois le chargé de la communication n'était plus là, il est parti. C'est pour cela qu'ailleurs, il y a un porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire qu'un ministre veut communiquer, c'est le porte-parole du gouvernement qui communique au nom du ministre. Pour tous les autres ministres. Pour tous les autres. Il y a même des porte-paroles de ministères. C'est pour ça qu'on précise. On précise. Il y a des porte-paroles des ministères. Non, il y a aussi des ministres qui veulent s'exprimer. Pourquoi vous voulez que tout le monde Le problème ne devrait pas se passer. On va avancer, je reviens. Si vous permettez, quand on dit qu'il y a porte-parole du gouvernement, le décret qui nomme le ministre, mais si c'est le ministre de la communication, on précise bien porte-parole du gouvernement.
C'est-à-dire, quand vous voulez communiquer, il y a les canons de communication. Donc, s'il y a un consigne à donner par le ministère, je ne sais pas moi, des travaux publics, c'est le ministère de la communication qui parle. Si le MINAT a des consignes à donner, c'est le ministère de la communication qui parle. On va arriver dans l'affaire foncière. Je veux un peu vous expliquer pourquoi il y a tout ça. Pourquoi vous le dites ? D'accord, on le dit. El Hadj, je sais que tu t'impatientais de venir dire. Aujourd'hui, on a quand même des hommes politiques au Cameroun qui sont assez violents dans le vocable. Ce qui inquiète un tout petit peu, parce que tout ce qu'on le veuille ou pas, on souhaite quand même avoir un pays stable au-delà des batailles politiques. Mais on commence à craindre pour les prochaines échéances, parce qu'au fur et à mesure que ça avance, la tension monte, les invectives, ça atteint. Bon, c'est vrai qu'il y a des mots qui reviennent, troubles à l'ordre public, mais ça ne semble plus faire peur. Même quand on met d'arrestation, ça ne semble plus faire peur, et on a peur justement que quand ça ne fait plus peur, ça veut dire qu'on est en train de franchir la ligne rouge. Nous, on voudrait interpeller, à distribuer les responsabilités à ces hommes politiques là pour qu'ils arrêtent un peu de manipuler leur bétail électoral. Excusez-moi l'expression, une fois de plus, je le dis parce que je pèse mes mots. Il y a des gens qui n'y comprennent absolument rien et qui suivent juste l'amour qu'ils ont pour tel leader politique, l'adhésion tribal à tel parti politique, le bon de carburant qu'on leur donne, et on ne réfléchit plus. Le 4-9. Voilà, le 4-9. 9 points, c'est tout ça. C'est clair. Et à partir de là, c'est le pays, lui, qui est menacé. Ceux qui ne sont dans aucune de ces catégories-là, nous, on commence à perdre le sommeil. Et à quoi? Vous discutez même quoi dans le pays ici? Rosalie, après, vous... J'ai écouté les trois précédents, n'est-ce pas, copanélistes, ils ont dit des belles choses. Mais le véritable point, je ne voulais pas verser sur la paresse intellectuelle. Voilà. Non, il faut verser seulement dans... Le Cameroun a une histoire. Moi, j'ai toujours accusé le coup d'État de manquer de 84. Le discours de cette haine-là dont nous parlons aujourd'hui commence après ce coup d'État-là. Moi, je suis nordiste. Nous avons subi des choses, des violences verbales, physiques. On était des pestiférés. Oui. Bon, on peut dire la sagesse peut-être du chef de l'État a vite compris la recadrer le chose. Vous comprenez bien. Qui va donc recadrer aujourd'hui? Je vais en arriver là. Vous comprenez bien, il a recadré, il a essayé de réconcilier les gens à comprendre que ce n'est pas tous les nordistes qui sont les plus, c'est les gens qui cherchent le pouvoir. Beaucoup ont perdu leur vie même sans savoir. Nous sommes partis du Nord aujourd'hui pour la zone anglophone avec le multipartisme de John Fundi. On sait ce qui s'est passé, ça a divisé les gens, ça a clivé les gens. On est d'accord? Nous partons de là maintenant, ce dernier temps, parce que c'est ça. Mm-hmm. Vous voyez la ruse, ou peut-être la malhonnêteté intellectuelle, qu'on a catégorisé toi, Camerounais. Mm-hmm. Je voudrais lui dire, c'est cette première catégorie qui fait le problème du Cameroun aujourd'hui. Les intellectuels dont tu veux dire. C'est eux le problème du Cameroun. Les deux autres catégories-là, c'est les suiveurs. Je vous assure. C'est ce qu'on appelle l'Espagne le bétail électoral. Non, le marais. Oui, le marais électoral. Il faut être inscrit pour aller voter. Ils sont tapis dans les villages. Le marais. Qu'on aille monter, n'est-ce pas, les élites de Yaoundé vont le monter en disant ne laissez pas tel parti politique venir ici chez nous. Donc vous comprenez, le véritable pour un parti de là. Donc aujourd'hui, accuser certains partis qui viennent même de naître quelque part là, PCRN ou tout ça, dire qu'ils sont violents, qu'ils veulent, n'est-ce pas, non. Le problème du Cameroun est profond. Tant que c'est lui qui veille au respect de la Constitution, le président Paul Biya, on est d'accord, qui doit veiller au fonctionnement régulier des institutions, des pouvoirs, je veux dire, des pouvoirs publics, ne sort pas. Et j'accuse aussi, n'est-ce pas, ceux-là dans leur mafia qui ont écrit le silence et le temps du président. Ils ont fait comprendre au président Paul Biya, vous n'avez pas besoin de sortir tout le temps. Quand on dit pourquoi le président ne s'annonce pas, quand il y a un cas grave comme ce que nous vivons tout ce dernier temps, on accuse les bêtises, les bamis, sont ceci. Je crois que le président de la République, s'il arrivait à convoquer, je dis convoquer, parce que son fils Kamto, il change 2 millions avec Kamto. Ou soit le président de la République recevait tous les partis politiques. C'est le seul président au monde qui ne reçoit jamais les partis.
combien de fois on convient avec eux, la presse, qui reçoit la presse au palais, qui change avec eux, qui peut trouver de l'apaisement, des questions libres. On n'a jamais vu le président pour le faire. Ils ont dit au président, vous restez dans votre palais, nous faisons le travail. D'où cette arrogance que nous vivons aujourd'hui. Si le président ne peut pas dire aux gens, non, respectez la constitution, n'allez pas sur le terrain des autres. Mais si on vous a dit quelque chose, on a un ministre de la communication. S'il y a un problème qui concerne la République, je crois lui. Si le président ne parle pas, qu'il sort parler. Vous avez aussi une opinion qui applaudit quand on qui reprend les termes au quartier en disant non, on a le Moulinex. Pas ça rend populaire aussi, hein, un certain. Vous comprenez un peu. L'homme de serpent, Manfotaire. C'est pas du tout bien. Une opinion qui se fait applaudir. On reprend ça, ça devient des leitmotifs de dans les réseaux sociaux. En fait, c'est notre opinion qui le nomme complètement déstructurée. C'est lui qui le nomme sur le président de la République. Tout ce que nous subissons ici, le président n'a jamais pris position. C'est quand il sort lui-même dit les petits partis, les apprentis sorciers. Donc, dans un pays comme ça. Donc, il est à l'image du président, puisque le président voilà. Dit apprentis sorciers. C'est pour ça que tu as dit. Le président a recadré en disant que nous devons vivre ensemble, il faut que les gens. Mais dans ce, cette façon de parler, ce discours-là fait beaucoup d'arrêt. Je vous assure que le président reçoit tout le président des partis pour. Du moins, n'est-ce pas, se représenter dans l'Assemblée. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous, vous savez. Vous savez pourquoi? Pour que ça s'arrête, ça doit d'abord venir d'une certaine lucidité, d'une certaine intelligence positive de ceux qui sont les politiques et les leaders. Non. Une réception. Souffrez que je finisse un peu. Une réception au palais. Sauf par c'est lui qui a par ces acteurs. Non, je vais le passer au pouvoir même une réception parole. Au palais par toutes ces personnes. Ne va pas enlever à certains ce construit. Parce que vous savez, c'est une idée de pas d'enlever ce construit. Ça va pas rentrer à ce construit. C'est vous l'apaisement leur enlevez ces postures. Vous leur enlevez ces postures, ils ne sont plus rien le lendemain. Certains ont même construit qu'ils sont des gens qui sont venus botter en touche le système gouvernant ou bien l'établissement. Mon cher et que c'est les héros. Donc si vous lui enlevez ça en disant non. Le président les a reçus, est-ce qu'on a fait la situation Est-ce qu'on peut enlever à quelqu'un son leitmotiv? Chacun décide de ce qu'il veut. Rosalie, on ne peut pas enlever à quelqu'un son leitmotiv. Parce que chacun le cas. Non, c'est lui qui a la parole. On souffre d'abord, s'il vous plaît. À l'université. S'il vous plaît. Je voulais dire, n'est-ce pas? Attendez qu'il finisse. Monsieur Koumou, dans une république, nous voyons partout, parce que le Cameroun n'invente rien. Quand il y a un problème qui concerne la nation, nous voyons le chef de l'État recevoir tous les partis politiques, les hommes d'église, un sujet d'intérêt national. Ils ne se traitent pas avec le premier ministre comme nous voyons. Non. Ça dit, la présence de ce genre auprès du président donne d'abord un plus valable. Ça dit, ils sont respectés par la population. De savoir que c'est des gens, leur avis compte. Et c'est que le président peut dire à Kamoutou face à face. Nous avons vu comment il a reçu Frungi. La semaine qui suivait, vous avez vu le ministre. Déjà, Frungi était devenu, n'est-ce pas, pression, comment on appelle, fréquentable. Oui, ça dit, ça apaise. C'est que vous pourriez faire de Kamoutou comme si c'est lui le diable qui. J'ai suivi sur un plateau de télévision, je crois que c'était ici. Où un monsieur dit que ce. Comment on appelle le PCR. Non, comment on appelle le MRC qui finance. La rébellion de comment on appelle du nozo. Mais c'est très grave dans une république. Comment on peut diaboliser un homme comme ça? Un parti politique, simplement parce qu'il ne change pas d'avis avec vous. Donc je me dis que la personne qui peut mettre terme à tout ce problème. Parce que c'est un cas grave. Hein? Nous rions peut-être, on essaie de débattre entre nous aussi. Mais petit à petit, une poubelle ne commence pas à sentir, à mettre les gens mal à l'aise dès le premier saut, deuxième saut. C'est quand on le laisse entasser, ça commence à perturber tout le quartier, toute la ville. Et les odeurs, n'est-ce pas, là, ça devient insupportable. Donc, c'est le cas que nous vivons aujourd'hui au Cameroun avec ce discours de la haine. On parle, on dit ceci. Pourtant, je vous ai dit, s'il faut parler de cette histoire, il faut remonter en arrière pour voir. D'où est partie cette histoire? On fait semblant d'oublier. Non, là, c'est du passé. Maintenant, on s'accroche seulement à un parti politique, à un homme. Un homme aussi, s'il faut dire la vérité, n'est-ce pas? Tout ce parti politique, ils se sentent méprisés. Et hier, je crois, dans une émission que vous avez participé, j'ai eu à donner, n'est-ce pas, une histoire que j'ai vécue moi personnellement.
J'ai mon ami qui élève chez lui, n'est-ce pas, deux jumeaux. Ses neveux, des petits-enfants de deux ans et demi. Quand j'arrivais toujours, le Yaoundé dit, où sont les enfants là, venez. Donnez-moi le couteau, je vais couper les zizi. Les enfants la fuient. C'est devenu qu'à la maison, quand ils s'organisent un des autres, on dit, tonton Ibrahim, c'est d'arriver. Mais un jour, j'arrive, pendant qu'on vivait avec mon ami sous le manguier, j'ai demandé, où sont mes amis là, faites-les venir. Ils sont venus, eux en courant s'arrêter devant moi. Donnez-moi le couteau. Ils ont soulevé le couteau. Mon ami regarde, j'ai dit, mais vous n'avez plus peur, je vais couper. Mon ami dit, laisse, tu as perdu. Les enfants là ont pris leur indépendance. Ah ouais. Donc, à force de traumatiser les gens, un jour, à l'autre, c'est ça pour le problème qui part dans le pays du monde. Parce que le Cameroun, je dis que le Cameroun n'inventait rien. Les déstabilisations que vous dites, c'est là où j'apprécie M. Ongourou, qui apparaît de l'injustice. L'injustice. Proverbe 20, 23, il est dit, le trône de Dieu établit sur la justice. Tant qu'il n'y a pas la justice dans une société, attendez-vous à tout. Et au Cameroun, aujourd'hui, nous le savons tous, il y a une minorité qui ont tellement pris. Et M. Yegde dit aussi une autre vérité, c'est les ennemis de Paul Biya qui le poussent, n'est-ce pas, à vouloir dire reste, fais ceci, parce qu'ils gagneraient eux aujourd'hui que le Cameroun prenne feu. Ils ont déjà sécurisé leur argent et leurs enfants. Parce qu'ils savent quoi, avec ça, ils vont sortir. Ils vont nous laisser dans nos désordres, ils vont fuir. Donc ce que je dis, les ennemis du président Paul Biya sont à côté de lui, tapis à côté de lui, que lui-même ne va pas venir. C'est le jour peut-être, on ne le souhaite pas, il va se retrouver à dire, faites trop de bruit. Faites trop de bruit. Mec, non. Ça va devenir, je vous assure. Les ennemis sont tous dans tous les palais. Mais on ne le souhaite pas. Dans tous les palais. Mais vous avez vu un président pour vendre la télécommande. Comment on a fait la profondeur. Il est assis. Les ennemis sont toujours à côté de toi. C'est les gens que tu as fabriqués, c'est eux qui vont te détruire. Donc nous n'aimerions pas voir ce sage-là, ce père, n'est-ce pas, en difficulté. Dans ce genre de... Mais ses ennemis, je le dis, sont à côté de lui, dans son palais. Ils attendent le temps seulement pour déclencher l'ère de guerre entre eux. Majesté Alphonse Atebandoumou, voilà. Bienvenue. Vous êtes autorité traditionnelle, vous avez rejoint. Alors qu'on échangeait déjà, il fallait faire le tour avant de venir à vous. Mais vous avez écouté tous les autres prises de parole. On parle justement de ce discours de haine aujourd'hui distillé par les hommes politiques. Je ne vais pas vous poser la question puisque vous êtes la dernière intervention sur la première prise de parole. Je vais vous laisser le soin de prendre par le bout qui vous sied le mieux. À votre avis aujourd'hui, ces leaders politiques répondent à des provocations ou c'est comme je le disais tout à l'heure, un leitmotiv bien installé qui les guide. Et quand un politique décide de se lancer, il y a ce qu'on appelle l'idéologie. Si son idéologie, c'est le coup d'État, vous n'allez pas le faire sortir de ce parcours en lui disant simplement arrête-toi. Il faudrait peut-être trouver des stratégies. Je ne sais pas, je dis quelque chose, je dis rien. Écoutez, Gisèle, je vous remercie. Pourquoi tout le monde fait c'est Guesselet, c'est bien. Mon nom de famille. Mon prénom, c'est Rosalie. Rosalie Guesselet. Voilà. Je vous remercie. Parce que beaucoup de personnes croient que c'est Rosalie Gisèle et puis j'ai enlevé mon nom. Non, c'est mon Rosalie nom là-bas. Rosalie Guesselet, je vous remercie pour votre invitation. J'écoute avec beaucoup d'intérêt les compatriotes qui sont sur ce plateau. Attention, ce mot-là est réservé au chef de l'État. Dans sa position, parce que ce soit l'analyse sur les causes, la description que font les frères, cela est tellement vrai que j'ai envie de dire oui. Nous sommes quand même dans un environnement qui commence à être détestable, inquiétant. Il y a vraiment de quoi angoisser pour nos lendemains, pour nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Je souhaite simplement qu'on relise ensemble comment on en est arrivé là. J'ai commencé avec le frère tout à l'heure son développement. Erag Mariga. Oui, j'ai eu le sentiment qu'il s'est arrêté à un moment. On ne peut pas dire que le chef de l'État ait commencé par s'enfermer. Quand Biya arrive dans ce pays, il faisait les feux rouges. Oui. Il faisait les feux rouges avec tout le monde. C'est-à-dire que sa voiture faisait le feu rouge comme tout le monde. Mm-hmm. Ce n'est pas une preuve particulière d'enfermement. Ça veut dire qu'il voulait communier avec le peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le problème doit commencer là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il est coutume qu'en politique, on communie avec sa clientèle sociale. On essaie de la rejoindre là où elle est, telle qu'elle veut être.
de sorte que vous ne pouvez pas être ouvert. C'est de s'enfermer ou alors s'ils prennent des libertés avec votre ouverture. Regardez quand le RDP s'est né en 85. Ok. Dans un premier temps, on a condamné le RDPC comme un parti d'élite, c'est-à-dire peuplé d'universitaires de toute nature. Et qui disait d'ailleurs à l'époque qu'on ne fait pas du nouveau vin avec les vieilles autres. Donc on a renouvelé un peu tout le monde, les agrégés, tout le monde est arrivé là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, le RDPC a découvert qu'on ne fait pas la politique avec les diplômes. C'est le début de ce que vous énonçait tout à l'heure, le début du recrutement de l'habitant au village. Ouais. On fait la politique les avec l'habitant, avec le chiffre. Donc RDPC a commencé donc à décrocher de son, j'allais dire de sa stature initiale, descendant vers le peuple. Il a commencé avec le recrutement des frères du village. Il a poursuivi avec le discours. Ça a commencé par des discours. Je me souviens, les premiers communiqués politiques du ministre de l'Information et de la Culture, comme ça s'appelait à l'époque, faisaient 5 pages. Une logorée absolument indigeste, incompréhensible, avec des tics, des ismes et des ilités à n'en plus finir. De sorte qu'on se demandait, il s'adressait à qui, mon Dieu? Du jour au lendemain, le RDPC a découvert qu'il était un parti trop bourgeois. Justement, où on parlait en tic, en isme et en UT. Il a décidé de retrouver les Camerounais là où ils sont. D'où les Serpas. D'où les Moulinex. Et tout. C'est un choix de positionnement à un moment de l'histoire. Sauf que ce faisant, RDP a oublié sa vocation première. Comme l'a voulu son promoteur. Comme le promoteur des démocraties, des libertés, des éthiques publiques. On ne peut donc pas attendre un ministre des libertés dans une administration proclamée comme administration citoyenne. Qu'il parle des citoyens en termes de serpents, de moulinets, c'est autre chose. Peu importe comment on va le défendre, c'est tout simplement inacceptable dans un environnement qui se veut démocratique. Si, à mon humble avis, on atteint le point de non-retour, si vous voulez, c'est le point de rupture. De rendement décroissant de cette ouverture vers le bas. Il faut donc que le RDP s'arrête aujourd'hui pour retrouver sa place. Maintenant, tout le monde dans les différentes sensibilités politiques a compris que le RDP est capable de décrocher. Il est capable de faire la bagarre des rues. Il est capable de descendre dans la boue. Dans la boue. Maintenant, il faut que le RDP se souvienne qu'il a une vocation pédagogique comme meneur de pouvoir et que ça s'arrête là maintenant. Parce qu'effectivement, on ne peut pas reprocher aux autres de décrocher eux aussi dans leur posture pour retrouver le peuple, puisque c'est ça que le peuple veut aujourd'hui. Il y a des mots à peine qui sortiraient difficilement de ma bouche, mais en fait, c'est ça qu'on veut entendre. C'est ça. Il est temps que le RDP se souvienne qu'il n'entrera pas dans l'histoire comme celui qui nous a introduit les serpents, les moulinex et les abeilles dans le discours public. Ce n'est pas opposable à la raison politique, à la raison historique, à la raison éthique, ni à la raison... Le souci n'est pas donc le contenu du discours, mais la manière de faire le discours. Revenir, c'est ça qui dérange en fait. Fondamentaux d'un discours public civilisé. Un discours public civil, c'est la vocation du RDPC. De revenir au discours civil. D'ailleurs, M. Kungulu rappelait tout à l'heure, vous avez vu deux ministres du RDPC commencer à se contredire. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on commence parfois à être embarrassé un peu. On a atteint le fond. Désormais, en face, on a compris que le RDPC, autrefois décrit comme un environnement bourgeois, est capable de faire la bagarre de rue. Parce que longtemps, on n'a pas cru que le RDPC pouvait le faire. Tellement, c'est pour ça qu'à un moment donné, longtemps, on insultait tout le monde à le RDPC. Les ministres, les dignitaires, ils étaient incapables de répondre parce que personne n'avait reçu la préparation au discours de rue. On a commencé donc à recruter les frères du village pour qu'eux descendent dans les couloirs, descendent sur le marché pour dire toi aussi machin, et puis dans les tourneaux d'eau, les chapalots, on était entre nous. Et le RDP commençait à se retrouver là. Désormais, on a compris que le RDP ne s'est pas allé là. On a même compris que... Il peut faire. Ouais. Sauf que les autres n'auront pas de compte à rendre dans l'histoire. Le RDP, si le rend, rend le compte de celui qui tient le manche de la machette. Comme disait le frère tout à l'heure. De ce point de vue, il est temps de s'arrêter là pour revenir aux fondamentaux de l'éthique publique, de l'éthique démocratique. En environnement démocratique, on ne traite pas les citoyens d'abeilles, de moulinex ou de serpents, parce qu'on est d'abord là pour eux, par eux, grâce à eux. On ne peut donc pas les tenir de faire valoir, sauf si
on commence soi-même à scier la branche sur laquelle on est assis. Voilà un peu, à mon humble avis, où le piège se referme sur lui-même. Ouais. Le RDPC, à un moment donné, a voulu décrocher d'une posture élitiste, trop accrochée aux standards régaliens de la République. Il a donc voulu décrocher en recrutant l'habitant, en recrutant le forban, en recrutant le nervi, pour faire avec l'habitant. Mmh. Aujourd'hui, on a fait le plein. Mmh. Il n'est pas bon qu'on continue à servir des serpents, des moulinex, à la veille d'une élection présidentielle. Sinon, en face, on aura du chaos, bonne expression aussi. Oui, ceux en face, on ne peut pas leur reprocher de faire leur job. C'est de montrer qu'ils existent. Puisque le RDP, ça a sorti les serpents, il a sorti les abeilles, il a sorti les moulinex. Pour qu'en face, on survive, il faut qu'on se touche de pire que le serpent, que le moulinex et compagnie. Et ce qu'il y a de pire, c'est le chaos général. C'est ça qui peut donner l'impression qu'on a dépassé les serpents, on a dépassé les abeilles, on a dépassé les autres menaces qui viennent. C'est ça que cet équilibre, la terreur-là, doit s'arrêter, comme le disait le frère tout à l'heure, dans tous les pays où on a versé à des voies de fait de masse, ça a commencé par les discours de la terreur. Mm-hmm. Discours de la terreur qui ont commencé à inscrire dans le subconscient collectif des structures de violence. On est parti de la violence symbolique à la violence voies de fait et à la violence réelle. Il est temps qu'on s'arrête, qu'il y ait de temps en temps une voix comme la vôtre pour dire stop là maintenant. Stop là maintenant. Il y a quelques années, j'étais dans un ministère de la place. On a voulu réformer les programmes d'éducation civique pour la zone CEMAC. Alors, des savants sont venus du monde entier pour dire, donc, éducation civique pour toute la zone CEMAC. Mais enfin, il se trouve qu'il y avait des pays voisins où les enfants à 6 ans avaient touché à la Kalachnikov, la vraie, quand les nôtres l'achètent à Noël pour s'effrayer entre eux. On ne peut pas donner le même cours d'éducation civique à ces deux enfants. Un, celui qui a déjà touché la Kalash, la vraie, celui qui a vu du sang frais dégouliner, et celui qui regarde manga. Ils ne sont pas au niveau des structures mentales, ils ne sont pas au même niveau. Ils ne sont pas au même niveau. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'amener nos enfants vers les enfants de ces pays voisins-là qui voient la Kalash à 5 ans. Mais enfin, écoutez quand les enfants marchent pour sur le chemin de l'école. Avec les transporteurs à moto, les taxis. Si le gars vous fait le soir la recension des mots qu'il entend sur la place publique, tous sont empruntés à un discours de terreur. C'est-à-dire quand les automobilistes se croisent, ce qui sort et les enfants entendent. Quand le gars en moto passe, ce qui sort. La violence partout. Le pire, j'ai été témoin il y a quelque temps, les joyeux lurons qui dirigent la circulation à l'absence des policiers. Alors, le policier arrive. Le gars dit au policier, tenez-vous là, c'est moi qui dirige. Le policier dit, vous parlez de quoi? Et puis il y a un échange un peu vif, c'est le policier qui le premier est descendu en dessous de la ceinture. C'est-à-dire avec des propos grivois empruntés. Il dit, enfin, il oublie qu'il est fonctionnaire de police et qu'il doit être polisson. Par conséquent, il doit donner le ton de l'éthique publique, amortir la violence de celui qui veut venir se voir vers la coursie. Mais quand c'est le policier qui donne le ton, après vous ne demandez pas à ces gars de ne pas garer les motos, de fondre sur lui, on est en train de construire des structures de violence qui s'inscrivent dans notre subconscient. Il est temps de que ça s'arrête. Rosalie, dans tout le village, moi je suis chef de village, aujourd'hui les problèmes auxquels je suis confronté n'ont plus rien à voir avec la chefferie d'autrefois. La chefferie d'autrefois, j'étais quotidiennement exposé au problème des limitations de terrain. Mm-hmm. Tel a mis deux pieds de bananier dans mon terrain, tel a mis sa case chez moi, tel est venu faire. C'était banal, tel a regardé la femme de l'autre. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux conflits que je ne qualifierais pas ici, en fait, qui procèdent des nouveaux brassages, d'abord culturels, les médias. Tout le monde est branché sur les FM, tout le monde est branché sur les réseaux sociaux, et le champ lexicologique que campent ces endroits-là est celui qui conduit à la terreur de masse, à la violence collective. Il est à craindre que bientôt, il soit trop tard. Et je rejoins le frère qui dit, il est peut-être temps que celui qui tient le gouvernail de tout ça
déclenche l'apaisement. Déclenche l'apaisement ou l'alerte, parce qu'on a épuisé les voies d'alerte. Je vois que l'année 2023 a été peuplée au Cameroun d'alerte sur les discours de haine. Ouais. L'université a fait un colloque. Justement. Le ministre de la Communication est sorti. Le président de la commission du bilinguisme. Et c'était justement à cette période, ça fait quasiment un an. Médiation et citoyenneté a fait un autre colloque sur les discours de haine. Pour autant, après, on est passé des discours de haine qui campaient dans les plateaux de télévision entre compatriotes à des discours de haine par des donneurs d'ordre, des tenants, des détenteurs de l'agenda public. C'est une dégradation grave. Parce que quand les citoyens échangent des propos violents, on sait qu'il y a quelqu'un qui va sortir pour faire le stop. Et quand c'est cette personne... Quand c'est ces donneurs d'ordre-là qui eux-mêmes descendent dans les discours violents, il y a à craindre qu'ils soient les premiers à prendre la machette. Et malheureusement. Rosalie, je voudrais dire quelque chose. 30 secondes, une minute seulement. Je voudrais dire ceci. Au Cameroun ou en Afrique, il y a aussi des jeux d'intérêt. Un ministre peut être ministre et ne pas être politicien. Or, ce que nous regardons, comme il y a des intérêts, il veut toujours montrer, regardez, dès que vous êtes nommé ministre, si vous êtes, petit militant du RDPC, automatiquement vous devenez chef de délégation départementale, régionale. Or, il n'est pas politicien. Parce qu'être politicien, c'est quelqu'un qui est préparé, c'est quelqu'un qui a fait la science politique. Il y avait autrefois l'école des cadres du parti où on formait les gens. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se passe pas. C'est-à-dire... Ah, je me lève un bon matin, comme je suis là où je suis, je dis, je représente, il y a le RDPC, parce que j'ai un peu de moyens. Parfois, même dans leur village, ils n'ont pas les légitimités, c'est-à-dire ils ne sont même pas connus, ils ne peuvent même pas parler. Il y a des gens comme ça dans leurs arrondissements qui ne peuvent pas réunir 20 personnes. Mais quand il est ministre, il devient l'homme public, il devient quelqu'un qui peut parler politique, ce n'est pas ça. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ça se prépare. Il faut se préparer. Il faut distinguer si vous avez ces deux rôles. Il faut distinguer quand vous prenez la parole en public. C'est-à-dire, cette fois-ci, je parle au nom du ministre. Cette fois-ci, je parle au nom du RDPC. En tant qu'homme politique. Ouais, en tant qu'homme politique. D'accord. Si on n'arrive pas à distinguer ces deux choses, on aura toujours cette balance et qui va nous ramener parce que vous ne pouvez pas être juge et parti. Bonsoir à vous au studio, Madame Rosalie. Le discours de haine en politique qui progressivement prend en otage notre pays n'est que la manifestation langagière d'une volonté à changer la donne actuelle par la voie de la violence. Dites-vous bien que l'adversité au système en place a jugé que le seul moyen pour renverser le pouvoir en place serait de le faire par la voie de la violence, puisque n'ayant aucune chance de le faire par la voie des urnes. C'est Ngok Jean Armand qui nous écrit depuis Bioura. Bonsoir la maman, bonsoir également au panel. Quel débat, tous ceux qui sont autour du président de la République, ils sont là pour leur intérêt personnel. Tous ont la double nationalité. Si demain le pays se retrouve dans le chaos, tous, chacun va se retrouver en France ou dans son pays et ils deviendront tous de ces pays-là. Augustin, depuis Douala, qui nous écrit. Bonsoir le riche panel, je suis Solange de Nkolbisson. Cher panéliste, quand Paul Atangandi balance chaque fois les discours de haine, le RDPC applaudit, tantôt Abeille, Moulinex et bien d'autres choses. Personne ne le recadre. Mais dès qu'un président d'un parti de l'opposition politique réagit, c'est les plaintes à n'en plus finir. Le monsieur du RDPC peut rire, mais demain, le parti au pouvoir sera de l'autre côté. Ils subiront la même chose. Depuis qu'on dénonce la haine tribale, personne n'a jamais été sanctionné. C'est ceux qui tiennent le pouvoir qui sont à l'origine de la provocation. Le 20 mai, le parti au pouvoir a tout fait pour exclure les autres partis de la fête. De l'unité, ça a créé des frustrations. Si le Cameroun a touché le bas fond, c'est le RDPC. Je vous assure, Madame Guesselé, après BI, il y aura trop de règlements de compte. Excusez-moi, Madame Guesselé, je m'adresse au monsieur du RDPC, qui chaque fois se bombe le torse, ils doivent avoir honte. Yaoundé ne ressemble pas à une capitale d'Afrique, le Grand Cameroun. Et qu'ils se plaisent aux intrigues, mes frères de Yaoundé, honte à vous, avec les poubelles partout, pas de route, où est passé le super maire? Elle a profité pour régler notre problème. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. Tant que le président de la République restera président d'un parti politique, il n'y aura jamais d'égalité entre les partis politiques. Les ministres se cachent derrière le président de la République qui est président de leur parti, d'où cette arrogance et ce mépris envers les autres partis. Eugène Kouam, depuis Bafoussa, n'envoyez pas des voix, je ne peux pas écouter. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, ça c'est la Côte d'Ivoire. J'ai vécu le Cameroun d'Aïdjo et malgré la dictature implacable, Aïdjo
tu avais une volonté d'unité nationale. Avec Biya, il y a le tribalisme d'État depuis le coup d'État du 6 avril 1984 et depuis lors, la haine est entretenue par le RDPC. Par exemple, Joshua aussi a été interdit de meeting au Sud. C'est le RDPC qui dit que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est pour dire. Ma bien-aimée Rosalie, comment peut-on expliquer qu'au Cameroun, un ministre et un président de fédération s'étripent en mandant vision pour ternir le peu de bonne image qu'il reste au Cameroun et le gouvernement camerounais ne communique pas à minima pour clarifier la situation. Il ne peut fatalement qu'avoir la haine dans ce pays. Ma bien-aimée Rosalie, la cause racine de la haine au Cameroun, c'est Paul Biya. Paul Biya n'a jamais recadré ses ministres qui ont eu des errements. Des ministres LGPR tels que les Titi Sedua, Marafam et Bengo, Atangandi, et autres. Ma bien-aimée Rosalie, pourquoi y a-t-il beaucoup de majesté au Cameroun comme ça? Eh, qui est... Ma bien-aimée, sa majesté sur ton plateau là est bon. Hein? Sa majesté, rien à voir avec mon parent, sa majesté Ondondo là. Celui-ci parle bien. C'est monsieur Tindy depuis la Côte d'Ivoire qui réagit. Bonsoir, Rosalie. Monsieur Maïgari vient de percer l'abcès des discours de la haine et de la diabolisation de certaines tribus et hommes politiques. Rosalie, le nœud de ce problème, c'est la confiscation du pouvoir. Quand Ayi Dio a voulu conserver son pouvoir, il a diabolisé les Bassa et les Bamileke qu'on a appelés Makiza. Quand en 1984, le pouvoir est menacé par un coup d'État, les nordistes ont été stigmatisés. On a parlé de poutistes et de wadio. Quand au début des années 90, Fondi menace le pouvoir, on a stigmatisé les Anglo-Bami. Et depuis que Kamto menace le pouvoir, on a mis les Bamileke en épingle. Donc, le discours de la haine est un construit du pouvoir en place. Rosalie, il y a une loi qui punit les discours de haine et de tribalisme. Pourquoi le gouvernement ne l'actionne pas? C'est Thierry Dekounou. Je prends au pif. Hein. Bonsoir au très grand plateau du Grand Soir d'Info TV. À maman Rosalie, bonne fête des mères. Merci. Même si je te le souhaite en retard. Maman, le pays est foutu pour le bas peuple. Les hautes personnalités de ce pays et surtout les membres du gouvernement actuel ont déjà tout garanti jusqu'à la millième génération. Leurs richesses sont pour la plupart garanties à l'extérieur. Ils n'ont rien à foutre de nous, que le pays tombe ou pas. En fait, pour moi, ces derniers aimeraient que nous vivions du chaos pour qu'ils se positionnent davantage. Ils se cachent derrière les discours de haine pour justifier leur position et qu'ils sont eux-mêmes à l'origine. Tout le bazar qui mine notre pays actuellement est le fruit de leur manœuvre. Jean-Bruno Afanoyen depuis Simbok à Yaoundé. Belle émission. Bonsoir Maman Rosalie, très bonne émission, très bon sujet. Le président Kamto ayant fait 9 mois de prison avec ses prisonniers de 7 ans, il est dans l'obligation de faire le sagat actuellement. La mort ne lui dit plus rien. C'est Tonomachi Dangisa. Félicitations au chef sur le plateau, on dirait qu'il a fait le lac à Mabouda. Merci. Ma Rose adorée, reçois mes bisous. Juste te dire que nous allons accueillir notre Messie. Ah d'accord. Une déclaration en direct ou quoi? Bonsoir Madame Rosalie. C'est Idriss depuis Kouaban. Ce militant du RDPC n'est pas honnête. Il est comme tous les autres militants de son parti, toujours à défendre l'indéfendable. Il tourne en rond, qui disait clairement. Bonsoir Madame, bien vouloir demander au monsieur Anchechia ce que le président Paul Biya dit à Fundi, qui devait dire au professeur Kamto. Ah bon? La gouvernance avec les intimidations est révolue. Laissez le président Biya aller se reposer et bagarrer. Bonsoir, cher panel. Notre pays est pourri jusqu'au point où personne n'arrive plus à contrôler ce qui sort de sa bouche. Saïdou, le papy depuis Fumban. Bonsoir, Rosalie, à ton panel. À propos du thème, le discours de haine entretenu par les opposants est justifié par le fait que les opposants sont excédés par les injustices, les emprisonnements, les frustrations, le refus de révision du code électoral, etc. Lorsqu'ils veulent réagir, le régime sont les serpents affamés, les abeilles et les moulinex. C'est M. Vougo depuis le camp Sonel Koyomaban. Bonsoir au grand soir. Rosa, tout comme les mots, les phrases aussi ont souvent deux sens, propre et figuré. Même la dernière sortie du Minat exprime de manière claire ce que Kungu veut se disculper là. Donc n'attendons jamais son parti, que son parti dise qu'il ne laissera quiconque prendre sa place. Il le dit d'une certaine manière. Bonsoir la Rose Nationale. Bienvenue au Cameroun Comedy Club. Le seul et vrai souci de ce pays, c'est le RDPC et son chef. Le seul parti où on fait le lavage de cerveau à tous les militants et qu'on veut forcer tous les Camerounais à accepter ce fameux lavage de cerveau.
Paul Atangandi, par exemple, n'est que l'exécutant du désir et la volonté du Dieu le Père, c'est-à-dire le premier Paul. Wadiébé, service depuis Kayélé. Bonsoir, Rosalie. J'ai été militant du RDPC. J'ai vu des choses terribles dans le RDPC avant de démissionner. Le discours de haine ne peut finir. La façon dont les affaires publiques marchent, ça va rester. Bessala Aïssi, depuis Okola. Je suis obligé de m'arrêter. Hein. Bonsoir, très cher aîné. Cette thématique ne m'inspire pas. Sois inspiré. Attends, celle qui va t'inspirer, donc calmement. Et... Bonsoir, Rosalie. Dites à Sa Majesté sur le plateau qu'un enfant de 5 ans ne peut pas manier un Kalachnikov qui laisse les gens. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut dire que. Non, ils n'ont pas encore eu la guerre ici au Cameroun. Bonsoir, Rosalie. Un tonnerre d'applaudissements à Sa Majesté pour sa brillante intervention ainsi qu'aux trois autres, Niek Niek El Hadj et celui en veste. Je pense que le membre du RDPC la gagnerait à écouter la sagesse de ses copanélistes. Théodore depuis aider. Alors vous lui faites un procès d'intention parce qu'en même temps, je pense que le fait, tu comprends pourquoi il dit que l'étiquette RDPC fait que quand quelqu'un parle, on met. Voilà. Sans l'office. On met la bonne muté. Ça aussi, c'est un construit. Oui, justement, on a lutté. Et on rentre dans les discours de violence, c'est un construit. Et on démute quand le projet prend la parole. Sinon, là, je reconnais que c'est un procès d'intention. On va donc poursuivre cette émission. Il faut qu'on ait le temps de parler un peu de cette réforme qui est très attendue, Monsieur Sylvestre Le Ben Niek Niek. La question du foncier au Cameroun interpelle au plus haut point. Et les gens se sont accordés quand même au bout du listing des différents projets. Problème qu'on a dans le foncier, qu'il fallait une réforme foncière au Cameroun, que l'urgence était signalée. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne fait pas pour sauver les propriétaires terriens, pour sauver, pourquoi on a une facilité à faire les titres fonciers, pour que tous les Camerounais se retrouvent paisibles dans leur pays, à utiliser leurs terres tranquillement? Pourquoi on ne le fait pas? Madame Gesselé, le discours de haine sont également assis sur la réforme foncière. Sur le foncier. Sur le foncier. Et c'est pour ça que je pense que si vous rentrez dans notre culture, pour la plupart, à l'état de nature, celui qui était fort avait plus de terres. Parce qu'en fait, chacun était propriétaire jusqu'au niveau de son fumier. Après, il y avait les jachères. Après, le plus fort allait au-delà parce qu'il avait beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Le cadre 74, je crois, la loi 74, c'est pas mal, est arrivé pour régler ce problème. Que est-ce que, parce que moi je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas avoir de terre, ça c'est le cas de nature. Hein. Mais en créant un autre, où à l'état actuel, ceux qui ont de l'argent ont carrément acheté le Cameroun. C'est ça. Il faut le dire clairement. Hein. Donc la réforme, la loi en général, vient régler des problématiques adressées préalablement. Le problème, c'est on en est où? C'est ça le problème. C'est avant la réforme, il faut questionner l'état actuel de notre foncier. Alors plantez-nous ce décor. Je vous ai dit au départ que, avant, les plus forts, comme partout, arrachaient les femmes, arrachaient les terres, machin. On a dit non, 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 ça n'a pas fonctionné comme ça. On a mis des lois. Et lorsqu'une même loi n'est pas évaluée au bout de 20 ans, pour qu'on constate qu'il y a des travers quand même, on arrive là, on est arrivé. Pire encore, lorsqu'on ne respecte plus, si vous regardez la loi sur l'urbanisme, il est interdit de faire la barrière avec du béton à plus de 90 cm de hauteur. C'est écrit. Mais regardez nos maisons. C'est des forteresses. C'est des forteresses. Et il faut donc, pourquoi les gens construisent des forteresses? Pourquoi vous pouvez habiter à Hawaï et avoir des terres partout à Yaoundé que vous, dont vous n'en faites aucun usage? Pourquoi? Nous sommes arrivés au moment où le pouvoir qui confère quelquefois l'argent généralement, parce que tous ceux qui ont beaucoup d'argent, je sais que c'est parti d'un pouvoir, il faut être honnête. Hein. C'est pas pour dire que les gens n'ont pas travaillé, mais pour avoir le travail, quelquefois, c'est le pouvoir qui a donné le travail. Donc le pouvoir a créé des inégalités, même au niveau foncier. Et ce qui reste, il y a des gens qui n'ont presque plus, je vais être gentil, ils n'ont plus de village. C'est ça. Il faut être plus, parce que pourquoi ça faut plus? Ils ont disparu. J'ai assisté à une histoire en Bankomo, où quelqu'un qui s'y est installé il y a une vingtaine d'années, estime que comme dans son bloc, sa communauté est la plus nombreuse, il peut être chef.
Et il décide d'être chef. Oui. Et il le devient. Et quelquefois, il le devient. C'est ça. Il y en a même, on découvre le matin qu'il est chef. C'est-à-dire, il n'y a eu aucune consultation. Il a déjà aucune, il a en arrêté. Ouais. Il a en arrêté. C'est des faits. Tout ça, ce n'est pas parce que la chefferie n'est pas grand-chose en réalité. La chefferie, c'est la noblesse, ça devait être ça. C'est-à-dire, l'homme qu'on consulte, l'homme qui est vrai, l'homme qui, c'est ça, devient ça la chefferie. Mais cette chefferie-là, qui consiste à arracher les terres. J'ai vu un communiqué du ministre, une fois de plus, hein, constatant que les gens avaient immatriculé les terres des communautés au nom des chefs, l'intérêt, ça. Pour une fois, j'ai dit encore qu'il y a rien de ce qu'il parle, il va être mordu. Le problème, c'est qu'il faut faire l'état que le Cameroun, dans ses 475 000 km², en termes de réserve, je pense qu'on est dans le 21%, un peu plus que la norme internationale, c'est bon. En termes de domaine privé de l'État, je suppose que l'État lui-même sait. Hein? Le domaine national, c'est vous avez dit, c'est combien? C'est là où se pose le problème. Le domaine privé des particuliers, c'est où? Comment? Et quelle superficie? Qu'est-ce qui reste et où? Et comment on va faire? La première chose sur le plan légal, parce que la réforme, la refondation, parce que la réforme c'est léger, la refondation s'impose. D'abord pour questionner comment des gens, pardonnez-moi le terme, hein, parce que pas parler le français, rester policier. Mm-hmm. Quelqu'un qui n'a aucun lien anthropologique avec la terre a réussi à faire un titre foncier. La loi le permet, mais comment? Il m'a tout direct. La loi est claire. Si vous n'avez aucun lien anthropologique avec la terre, vous ne pouvez pas faire l'immatriculation directe. Mais ça pilule. Et c'est pour ça que lorsqu'on aura fini de faire le point, il faudra, pour dire que la loi n'est pas rétroactive, annuler tous les titres fonciers frauduleux. Et qu'est-ce que c'est frauduleux? Tout ce qui a été obtenu par la ruse, par le contournement de la loi, par la corruption doit être annulé. Et lorsqu'on l'aura fait, on va se poser des questions. Est-ce que nos frères, parce qu'il faut être juste, hein, nos frères dont la démographie ne permet plus d'avoir un lopin de terre là ils devaient l'avoir de façon anthropologique, est-ce qu'ils doivent aller en Guinée équatoriale? Non. Est-ce que, non, c'est vrai. Permettez-moi, madame Gessich. Oui, je vous permets de... Lorsqu'on va se poser ces questions, on va avoir les thèmes de référence de la refondation du foncier du Cameroun. Pour le moment, je pense que ceux qui donnent l'impression de vouloir la faire n'ont pas envie de la faire. Parce qu'en la faisant, il faudra qu'ils annulent leur propre titre foncier. Vous imaginez? Si nous continuons tel quel, il va arriver à un moment donné que 2% de la population ait acheté tout le Cameroun, que les autres soient le locataire. Oui. C'est ça que la question. Et à ce moment-là, lorsque Sa Majesté dans son village, pardonnez-moi, Majesté, vous êtes accaparé de toutes les terres parce que vous étiez hier là, vous êtes chef. Maintenant, les autres enfants des autres gens qui ne sont pas chefs, qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'asseoir, comme on dit au village? La bagarre. Ils vont être obligés de bagarrer. Et dans la bagarre, on ne sait pas qui perd l'œil, on ne sait pas qui perd même la vie. Et c'est pour ça que je pense qu'il est temps de faire un état des lieux sur le foncier. Parce que, je finis par là, il y a un homme politique qui était proche, enfin non, dont j'étais proche à un moment donné. Parce que si c'est lui qui était proche, c'est moi qui étais proche de lui. On ne s'entendait pas beaucoup, mais sur le foncier, c'était entendu. Et c'est le foncier, je peux vous dire, ministre d'État Kodoko, en 92, c'est parce qu'un discours l'avait déplu qu'il a dit tant qu'à faire, il s'accroche même au serpent. Ah, oui. Je vous le dis, hein, ceux qui ont été, ils le savent. Oui. Il a dit avant que le Cameroun n'est pas une dynastie peul. Parce qu'on a dit, ce qu'il a dit avant, hein. Il a commencé par dire que le Cameroun n'est pas une dynastie peul. Et ceux qui pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout acheter. Ceux qui, parce qu'il y avait une loi foncière, une proposition de loi foncière en 92, qui disait que vous ne pouvez pas avoir un terrain en bordure de route principale si vous n'avez pas l'argent pour construire au moins R plus 4. Fondamentalement, toutes les terres devraient appartenir à l'État. L'État étant qui? Ceux qui par la force, y compris des urnes et de l'argent, peuvent s'accaparer des terres. Donc, le problème aujourd'hui, Mme Gessilé, tout ce qu'on dit là, la réalité, c'est que Si vous réglez le problème foncier, vous aurez réglé au moins les trois cas du discours de haine. Vous l'aurez réglé.
D'accord. Donc c'est important. Maintenant, si on est recul, moi venu soit ici chez vous, soit ailleurs, on va mettre un contenu au canevas de matriciel qu'on est en train de tracer. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, pour vous, l'heure n'est même pas à la refondation, mais à travailler d'abord. À faire l'état des lieux. Majesté, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour avoir une chance de baisser cette pression qui monte? Parce qu'il faut le dire, si vous allez dans les tribunaux aujourd'hui, s'il y a 10 affaires qui sont appelées et le foncier occupe 8 affaires, ça veut dire qu'il y a un problème également qui arrive depuis l'arrière. Non, s'il y a 100 affaires, 10 vont au tribunal. Voilà. 90 se règlent au quartier, au couteau. Oui. Elle avait la sorcellerie ouais. même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'appelle le couteau. Ah, ok. Si le couteau pour toi, c'est la sorcellerie. Moi, j'allais dire qu'il y a d'abord le couteau. Et la sorcellerie règle le reste. Quelqu'un tombe un matin comme un lapin. Moi, j'ai assisté à un de venir filmer une affaire où on était la tête. C'était de quel animal dans le sol que c'était par rapport à discuter la tête. J'ai rien compris. C'est pour vous dire que les gens meurent à petit feu au Cameroun pour les problèmes de terre. Comment on fait pour stopper la saignée, Majesté? Parce que là, ça devient grave. Je pense... Seigneur, que le disait tout à l'heure, il faut que l'État prenne ses responsabilités. J'ai le sentiment que ceux qui sont dans l'État et qui, pour différentes raisons, ont pu sécuriser leur patrimoine, ne sont pas assez conscients de ce qui se passe sur le terrain, ou alors que souvent ils sont tellement compromis avec cette situation qu'ils ne peuvent pas ouvrir cette boîte Pandore. Autrement, la situation de la terre dans nos villes, dans nos villages est dramatique. Oh, moi je n'ai pas les termes aussi savants que M. Nieck, mais je vais vous faire observer que il y a des villages entiers qui ont été achetés par un individu. Sur 20 km, sur 30 km, un individu. Oui. Enfin, il n'y a aucun village au monde où 30 km appartiennent à un individu. De façon contiguë. Ou à une famille. Alors l'interdit d'ailleurs, c'est ça qui est terrible. Mais un individu arrive, il achète tout ça. Et puis du jour au lendemain, vous attendez quoi? C'est le soulèvement programmé. Parce que même celui qui allait faire la moto en ville, je ne sais plus n'importe quoi, celui qui est fonctionnaire, un jour il reviendra. Qu'est-ce qu'il fait lorsque tout le patrimoine est cédé? Première chose. Dans le périmètre urbain, c'est des choses encore plus dramatiques. En fait, nous avons affaire là au conflit entre les États traditionnels et l'État républicain. Les États traditionnels bien organisés ont mis la terre au cœur de leur processus d'épanouissement. Absolument. En face, vous avez le vide et un État républicain tâtonnant. Parce que souvent, d'ailleurs, il est lui-même parfois parasité par les membres des États traditionnels. On ne peut pas continuer parce que c'est là où le piège un peu se referme sur certains. Par exemple, on dit les bêtises vendent les terrains, Enfin, le bêtis est chez lui, chez les bassins, on dit sans bail. Nyanon bail, ça dit chacun le père de sa maison. La mère de sa maison, il ne part chez le kiné ou chez le mbombo que lorsqu'il y a un malentendu. À part ça, chacun le père de chez lui. Et c'est le phénomène culturel. Chez les bêtis, on dit idoui, c'est un tombe un biloué, et que ça rejoint la notion de sans bail. Chacun maître chez lui. Donc, nos sociétés ne sont pas si grégaires que ça sur ces questions. Et le bêtis, parfois, donne la terre pour recruter un frère, pour recruter un ami, parce qu'il ne sait pas que derrière cette affaire-là, il y a des processus hégémoniques, dont le Mungo est le cas le plus achevé, le plus éloquent. Complètement, oui. Complètement. Je pense qu'on ne peut pas laisser le Cameroun devenir ce qu'on a vu se faire dans le Mungo. On peut considérer que c'est un moment d'histoire, parce qu'il y avait la guerre dans une partie du pays, que des populations ont migré, ont trouvé là des gens qui ne comprenaient rien à la question foncière, qui ont accueilli des frères, qui les ont logés, avant de se retrouver étrangers chez eux, complètement virés. Ils ont tous migré sur Douala, parce que incapables. J'étais marié dans le Mungo pour ma part. Donc, c'est des questions que j'ai vécues dans ma chair, c'est-à-dire que dans ma belle famille, la tombe, la maison qui est à côté de la tombe de mon beau-père n'appartient pas à un gars de village. Et les trois maisons autour n'appartiennent pas au gars de village. Nous sommes en plein village, je ne parle pas d'une zone urbaine. Je pense que ces situations-là, qui pour certains traduisent un certain dynamisme, doivent quand même prendre en compte le fait qu'on est en République et qu'on a besoin du frère. On a besoin du compatriote, on a besoin de l'autre, parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Tout le monde ne peut pas être fort au plan économique,
Tout le monde ne peut pas être boxeur, tout le monde ne peut pas être cycliste. C'est ça le principe de l'État, la régulation entre la symétrie des forces, la symétrie des formes, la symétrie des ressources. Mmh. Et cette question foncière, où 2% de... J'ai été témoin, j'ai été consulté par un maire d'une communauté, d'une élue, il y a quelques jours, qui vient me voir parce qu'il y a un investisseur qui est arrivé, qui veut 300 000 hectares de terre pour un projet. Alors, le maire en question vient me voir pour me dire ce que tu en penses. Il dit que c'est un très bon projet. Alors, ce monsieur est toujours là, oui. Faites-lui une proposition. Dites-lui que, plutôt que d'acheter, la mairie prend ce terrain et le place dans le capital du projet comme son apport pour préserver l'avenir. Le projet est mort. Voilà. Le projet est mort, des acquisitions à vendre ou à laisser. Mais en fait, l'histoire nous parle. La ville de Londres a été entièrement construite par les étrangers à partir des bois amphithéotiques. Ouais. C'est-à-dire que les Irlandais, les Écossais, tout ce monde-là venait. C'est pour ça que le roi d'Angleterre est propriétaire de toutes les terres. Parce que vous venez, vous faites ce que vous voulez, vous avez le temps de l'amortir. Et on retrocède cette affaire-là aux communautés de base. Mais enfin, qu'est-ce que vous ferez des gens de Yaoundé qui n'ont plus de village? Enfin, voilà un problème. Comment est-ce que vous croyez? Nous, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas que dans certaines régions que les morts parlent. Je voudrais que vous sachiez, moi je suis un chef chez les Bétis, les morts chez les Bétis parlent. Méfiez-vous du discours des morts. Méfiez-vous du message des morts lorsque vous venez les écraser avec des immeubles et qu'ils parlent, personne ne les entend parce qu'on n'avait rien en commun au départ. Je pense qu'il est dans l'intérêt du Cameroun entier que la question foncière soit ramenée sur une table de conciliation. Absolument. Et non pas sur une logique de braquage au plus offrant, au plus fort, au mieux organisé. Une logique d'abus de faiblesse d'ailleurs. Autres. En fait, des logiques d'abus de faiblesse pour ceux qui... parfois ont faim, parfois ne savent pas, ne voient pas demain. Justement, tout part de là. Justement. Et quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps que de toute façon, on ne peut pas reprocher à un adulte qui en âme et conscience a concédé une parcelle et dit que oui, c'est l'abus de faiblesse. Parce que ce monsieur qui concédait une parcelle de terrain pour une miche de pain ne savait pas qu'il était en train de céder sa vie. Il ne s'agit pas de céder la terre, c'est la vie qu'on est en train de céder. La terre, c'est la vie, oui. On est en train de céder la vie, sauf si on part sur un projet de génocide. La question telle que se pose aujourd'hui se présente sous la forme d'un génocide des communautés. Et je pense qu'il est dans l'intérêt de l'État de mettre un terme à ce projet de génocide au-delà de la terre qui peut ressembler, qui peut sembler parfois un phénomène facile. D'accord. Même si, tout en étant d'accord avec vous, on ne peut pas aussi faire un procès à ceux qui ont acheté après de vouloir s'agripper aussi. Vous voyez, qu'est-ce qu'on appelle acheter Oui, ça c'est encore de l'autre. C'est pour ça que l'État doit se saisir de cette affaire. Ceux qui ont acheté sont dans leur droit dès lors qu'ils ont des papiers. C'est clair. Maintenant, ceux qui n'ont plus de vie, parce qu'ils n'ont plus de village, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Qu'est-ce qu'on en fait aussi? Qu'est-ce que l'État fait? Et comment on fait pour... Majesté, ceux qui ont acheté en marge, là, je rappelle que les terrains urbains ont une mercuriale. Vous achetez en Dessa, c'est mal acheté et donc pas acheté. Voilà. C'est la loi toujours. Hein? Oui, c'est des dolls. Bon. Des dolls. Sans danger. C'est pas se tromper là-dessus. Bon, les parents. On peut acheter à la ville que les biens tirent en Dessa. Marie, vous avez la parole. Avant, les parents mesuraient, tendaient comme ça. Et tout mon frère prend. C'était la famille, oui. Maintenant, je suis assise là, des années après, vous venez me dire qu'il faut quitter parce que mon père était fou. Il y a aussi ça qui est un problème. Rosalie, ton frère et ton père étaient gentils avec mon père. C'est pour ça. Alors, comment on reste continuer l'amour de nos parents? À mon détriment. Non, c'est pas pour le détriment. Ton père, même mon père, il a tendu. Il a dit, mon ami, prends le morceau-ci, reste à côté de moi, vivant. Maintenant, ils ont accouché. Nous, on arrive, on est trop intelligents. On commence à dire que leur amour, là, jamais. Ton père était plus malin que mon père. Ça fait partie des droits des enfants. Ils ont droit à la vie. Rosalie, regarde, n'est-ce pas, le discours de haine, trouver sa source aussi sur ton problème foncier. Et moi, je dis toujours, nous devons prendre le problème, n'est-ce pas, au lieu. Parce que ce problème du terrain, n'est-ce pas, du foncier, je voudrais dire, n'est pas un problème seulement de Yaoundé ou Douala. Oui, justement, il a dit. Mon propre village, Tibati, en est victime sur le même état. Absolument, si, si. D'où j'appelle, n'est-ce pas, je profite, n'est-ce pas, de ce plateau pour demander au chef, le jeune chef de Tibati,
de relancer ce problème, nous sommes prêts à Yaoundé de l'aider. Il y a une mafia entre les autorités publiques, les chefs et quelques élites tapis ici à Yaoundé. On ne sait comment ils sont allés acquérir. C'est ce que le chef a dit. Comment un seul individu peut acheter tout un village? Parce que quand nous parlons de terrain, ne voyons pas les 500 mètres carrés que ça. Comment l'État? L'État peut concéder 400 000 hectares à un individu. C'est comment? Nous avons vu le problème de Dicolo ici. Et vous vous souvenez le problème du palmarès, c'est quelque part ici, au centre, au sud, je vous l'ai dit. Mais qui a trouvé quand même, n'est-ce pas, un consensus, un arrangement avec une société qui voulait faire, n'est-ce pas, le palmarès pour le besoin de leurs usines. On a même eu pour le manioc. Moi, je me dis quelque part, il y a une volonté qui se ressent. Mais la volonté, il faut aller un peu loin. Quelle volonté? Le ministre doit s'attaquer à ses propres collègues, surtout membres du parti. Parce qu'il faut dire la vérité. Si on a accumulé beaucoup d'argent, ils ne savent pas où aller cacher ça. Ils cachent ça dans le terrain, le fond de la terre, partout. C'est eux. Ce ne sont pas des hommes d'affaires, ce ne sont pas des pauvres gens. Quelqu'un veut prendre 300 mètres carrés, 200 mètres carrés pour sa petite case. Ce n'est pas de ce problème qu'il s'agit. Et si nous avons eu des autorités qui prévoyaient des choses, l'histoire de la terre aujourd'hui, nous voyons, nous avons connu quand même le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. On est d'accord, d'autres pays d'Afrique où ce problème était de se poser avec la volonté, n'est-ce pas, de nouveaux chefs d'État qui sont arrivés. On est d'accord, ils sont en train de faire une réforme agraire tout à fait normale pour restituer à la population. Où vous êtes chez vous, au village, vous devenez des esclaves d'un individu qui est venu s'accaparer de tout en Afrique du Sud, on a vu. Où le blanc prenait le fils du village qui utilisait, il jetait ça dans le trou des lions pour le dévorer. Bon, est-ce que vous pensez que dans l'avenir, nous avons des enfants, des petits-enfants qui vont rentrer chez eux, qui ne vont rien trouver? Donc, je dis qu'il y a une petite volonté, il faut aller loin. Parce que ce Jean Tapi, je connais au moins d'autres qui sont sénateurs, qui sont ministres aujourd'hui en fonction au niveau de l'Assemblée. Les anciens ministres qui sont là, c'est eux. Ils sont devenus ce qu'on appelle l'espoir, qu'on appelle les financiers. Ils viennent trouver des villageois, ils font titrer des milliers d'hectares de terrain. À la fin, ils viennent avec les mallettes d'argent remplis de billets de 2 000, 5 000 distribués. Chacun, c'est... Il n'y a pas souvent 10 000 dedans. Il n'y a pas 10 000. Allez, c'est le gros malin qui a fait des petits coupures. Quand ils ouvrent le village, on voit ça, mais c'est... Donc, ils achètent encore tout ce qu'ils ont titré. 500 francs, entre 1000 francs. Donc, vous voyez ce que ça fait. C'est une malhonnêteté. La prochaine guerre, c'est ce qu'on dit au Cameroun. C'est ce problème foncier et ça doit s'opposer. Donc, inutile de faire un discours pour dire quelqu'un qui a pris 300 mètres carrés, admettons dans la ville de Yaoundé, qui s'est construit une case. On demande aux gens de rentrer chez vous. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Personne ne l'a dit. Le véritable problème du Cameroun aujourd'hui, c'est les gens qui viennent s'accaparer des centaines, des milliers d'hectares de terrain dans les villages. Parce que si tu sors de Yaoundé d'ici, je crois, jusqu'à Mbalmoyo, tout est déjà acheté. La route de Douala, là, jusqu'à Pogo, tout est déjà acheté par les personnes. Et c'est la même chose chez nous, je vous dis, Adamawa, Marwa, Garoua. Donc, il faut veiller à ça. Et c'est lui qui doit... L'État est là pour protéger le plus faible. Même si c'est ta propriété, vous le vendre. Que l'État, lui, l'autorité qui doit signer les actes de vente, qu'il vous attire votre attention. Vous êtes en train de vendre la vie de tous vos enfants. Oui, admettons qu'il y a 20, appelons comme ça, là, un chiffre simple. Vous avez 20 mètres carrés. On est d'accord? Quand vous dites, bon, les 15 mètres carrés, mettez ça en location. Ce que le chef a proposé, c'est ça. Prenez les actions. Si c'est une plantation, si c'est une usine, vous prenez les actions, vous gardez 5 mètres carrés, n'est-ce pas? Là, vous allez faire l'agriculture, peut-être vos investissements, comment on appelle, d'habitation. Mais ne vendez pas. Il n'y a que l'État pour conseiller. Et refusez même de signer l'acte de vente pour attirer votre attention. C'est pour ça que l'État est fait pour la protection, n'est-ce pas, du plus pauvre, qui ne comprend pas. Mais si on laisse aux individus du village... qu'on transporte dans une grosse voiture climatisée, on les amène à Yaoundé, ils sont logés à l'hôtel, on les fait bien manger parce qu'on doit les amener à les signer des actes qu'ils ne maîtrisent pas. Qui doit attirer l'attention de ce genre-là? C'est l'État. C'est l'État. Donc c'est pour ça que nous disons tout ce qui se passe.
c'est la faute de l'État. Et l'État, c'est qui? C'est la seule personne que nous avons élu le président de la République. Le reste là, c'est... Parce que tout ce qui se passe, il est au courant. D'accord. Il est au courant de tout ce qui se passe. Et l'avenir du Cameroun, les 100 prochaines années, tombera sur nous. Ferdinand Kungu. Bon, vous savez, le foncier, c'est un sujet détonnant. Parce que vous avez... Il s'agit d'acquisition et d'avoir. Donc, ça contient forcément des intérêts... Des implications. Et des implications... parfois des niveaux insoupçonnés. Maintenant, moi, je vais faire très simple. Il faut protéger la vie. Et la terre, c'est la vie. Il faut protéger. Quand vous avez la prédation qui fait face à la faiblesse, ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que vous avez des prédateurs qui sont dans des constructions prédatrices parce qu'ils ont les moyens. Et vous avez la structuration légale. Je ne veux pas parler des lois. Vous avez la structuration légale qui a laissé des failles. Et si vous y ajoutez des fonctionnaires qui eux-mêmes sont dans les logiques d'accumulation, et qu'ils sont dans des positions de décision, ça vous donne le cocktail Molotov, régime foncier. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut protéger la terre en protégeant la vie. Il faut protéger le faible. Le faible, c'est qui? Le faible, c'est le propriétaire coutumier qui doit se conformer parce qu'il est dans une république, mais qui n'a pas les moyens de déclencher le processus pouvant l'amener à avoir un titre de matriculation qu'on appelle le titre foncier. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut déjà rendre pratiquement gratuit le titre foncier pour le propriétaire coutumier. Comment est-ce que j'explique ça? Pas gratuit en tant que tel. Ça veut dire que un propriétaire coutumier qui veut titrer ses terres, il suffit d'un conseil de famille au village, tout le monde connaît les limites de tout le monde, qu'ils sont tous tombés d'accord, il prend ce procès verbal, il adresse une demande manuscrite au sous-préfet, demande non timbrée, et on lui demande de payer un forfait qui peut être dans les 40-45 000 au niveau de la sous-préfecture qu'il veut le titre. Le sous-préfet se... à son niveau, avec les moyens de l'administration, s'arrange à ce que tout le processus soit déclenché. La descente, sa propre descente, le dossier technique et tout le reste, n'est-ce pas? Sauf que l'État va maintenant aller se mettre à un autre niveau pour venir récupérer ce qu'il a investi, concédé. C'est-à-dire que toutes les ventes en ce moment-là se font donc par devant notaire. Et là-bas, on catégorise les ventes. C'est-à-dire qu'à plus de 2000 mètres carrés, on vous impose les baux amphithéotiques. Il n'y a plus de vente. Vous pouvez vendre moins de 2000 mètres. Et toutes les ventes se font par devant le notaire, par devant le conservateur, où le titre a été établi, où on impose une taxe à que le conservateur va prélever peut-être à 2 ou 3% de toutes les ventes. On impose à celui qui est en train d'acheter de déclencher le morcellement immédiatement pendant la vente, payant aussi des frais, vous voyez un peu. Parce que le gars a déjà de l'argent, on peut lui prendre 3% de ce qu'il vient de vendre. Parce que, et là, ça évite même les doubles et les triples ventes, puisque toutes les ventes vont venir se faire par devant notaire. Et ça, c'est d'un. De deux, pour ce qui est de la réquisition des terres, pour encourager des projets, il faut obliger un contrat à trois parties. Première chose, les populations doivent automatiquement s'organiser en collectif des différentes terres qu'on va utiliser, qu'on veut prendre. La mairie doit être intéressée, la collectivité territoriale décentralisée. Et maintenant, le partenaire qui vient prendre le terrain, ça veut dire que quand vous venez dans un village et que vous venez vous installer pour faire de l'agriculture, vous trouvez que les villageois ont un collectif, ils ont collecté toutes les terres qu'ils doivent donner comme départ, comme des actions. La mairie est intéressée comme un des actionnaires dans le dossier, parce qu'elle va être facilitatrice, et elle va devoir imposer le recrutement de la ressource humaine locale. Et puis, le monsieur s'installe. C'est vite, parce que qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, il y a des préfets qui vous font des 2P, on dit 10 hectares, n'est-ce pas? Le gars, il prend 15. Et les 5 d'en haut, c'est les partages avec le commandant commandant de compagnie, le commissaire de sécurité publique. Et les villageois ne voient que du vent passer puisqu'ils sont faibles.
Donc, en fait, c'est la structuration, toute la structuration légale en matière d'acquisition des terres qui fait problème. Quand vous demandez à un monsieur qui ne sait même pas lire et écrire, qui a du mal à avoir 10 000 francs dans sa vie, de vous payer une descente du sous-préfet à 400 000. C'est ça. Mais ça le met à la merci du premier prédateur qui se présente en disant qu'il est partenaire parce qu'il a de l'argent. C'est pour ça que j'ai dit le foncier, et ce que j'ai dit, le foncier est tellement détonnant qu'il regroupe tellement d'intérêts parce qu'il s'agit d'acquisition et d'avoir et de rente. Puisqu'il y a des gens, par exemple, au MINCAF, qui vous prennent 2-3 millions pour faire une descente, pour régler un litige parce que le ministre a été saisi pour un recours gracieux préalable pour une contestation d'un titre foncier. Des fonctionnaires du MINCAF vous prennent 2-3 millions pour faire une descente. Imaginez que vous êtes déjà dans une injustice, on a établi un titre sur vos terres. Vous avez saisi le ministre pour arbitrage. Après, il faut payer. Et puis on vous dit qu'il faut donner 2-3 millions pour faire descendre. Donc en fait, il faut organiser l'acquisition foncière. Et ça, c'est de deux. On peut faire de la rétroactivité. C'est-à-dire qu'on peut faire de la rétroactivité parce qu'il y a des choses qu'il faut régler. Moi, je prends souvent un exemple sur une petite communauté qui est à Manhattan, aux États-Unis, tiens. Une communauté autochtone où la ville, pour régler leurs problèmes et pour qu'elles ne disparaissent pas, paye un impôt politique à cette communauté à Manhattan. Allez fouiller dans les. Allez à Google faire des recherches. C'est-à-dire qu'on reconnaît que vous êtes là, mais quand vous êtes à Yaoundé, moi je suis un bêtis, quand vous êtes à Yaoundé, les invents sont où? Qui ont cédé leur terrain. Qui ont cédé des terrains. Les invents sont où? Il y a un quartier qui s'appelle Obili. C'est-à-dire qu'on nous a obligés à venir ici. Parce qu'il fallait dégager le périmètre urbain. Je ne peux pas, parce que... Vous voyez, en fait, il faut que l'État, parce que l'État a trois visages, l'État administratif, dont l'État structuré tel qu'on l'a connu. Quand j'ai dit... L'État police... L'État police qui règle les lois et tout. Et puis cet État mystère qui est... Après Dieu, c'est cet état-là qui est un parent. Il faut que ce parent-là se lève pour protéger les pauvres, sa progéniture et pour protéger les plus faibles. D'accord, je sais des deux minutes. Oui, Rosalie, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas voulu percer l'abcès. C'est l'état de corruption des agents publics. Quand vous avez, dites-vous que vous êtes chez vous, un beau matin, quelqu'un vient vous présenter un ticket foncé de votre terrain. C'est quoi? Mais je l'ai dit. C'est la corruption. Je l'ai dit. C'est la sorcellerie. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Non, tu n'as pas dit comme il dit là. Non, ça, c'est la corruption. Je l'ai dit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que tu as parlé de concession, c'est la procédure normale que tu nous as donnée. La procédure normale voudrait que c'est pour ça que je vous ai parlé de la collaboration avec d'autres ministères, c'est-à-dire le MINIPAT, la mairie est même impliquée quand donc, cette procédure est misée. C'est lui qui a la parole. Il vous a c'est pour ça qu'il y a trop d'injustices quand c'est il faut procéder. Je vous dis pourquoi il faut la changer. S'il vous plaît, permettez que je termine derrière ma réponse à la corruption. C'est-à-dire ceux qui ont pris de l'argent à des individus, ils se sont mis directement que c'est eux qui doivent signer la lettre à tel individu. C'est-à-dire ils ne consultent pas d'autres administrations qui sont impliquées dans le dossier. On dit, pour vous donner ce terrain, il faut avoir un projet. Ce projet, pour arriver à maturer ce projet, il faut mettre la mairie, il faut mettre le MINIPAT. Si c'est un projet agricole, il faut mettre le MINADER, il faut mettre d'autres administrations. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, comme je veux la terre, j'ai saisi le MINAT, le MINICAF. Le MINICAF, l'agent qu'on a coté le dossier, je pars négocier avec lui, je lui dis j'ai un peu de sous à main, je lui donne ce que je peux lui donner, il prépare une correspondance, un projet de lettre, il envoie au ministre, dès que le ministre signe, moi j'ai aidé à mon terrain. Donc c'est comme ça que ça se passe, mais ce n'est pas normal. C'est ça que nous devons dénoncer, c'est-à-dire respecter la réglementation, respecter les procédures dans le cadre des concessions, dans le cadre des matriculations. Et la deuxième des choses avec les chefs aussi sont impliqués dans beaucoup de ventes. Je crois qu'il faut revoir tout ça, la c'est loi la au niveau de terrain coutumier. C'est-à-dire, ils sont là. Et nos élites aussi. Moi, j'ai vu un délégué prendre une voiture de service. Lui-même allait mettre les bornes. C'est-à-dire, il ne saisit même pas l'administration. Il arrive, il commence à mettre les bornes. Il dit, c'est son terrain. Est-ce que ça se passe? Nous allons parler là comme si on était en train de toucher un peu, c'est-à-dire pour être politiquement correct,
pour arriver à ce niveau, voilà pourquoi le ministre Yebe a voulu mettre un autre système. Mais ça ne peut pas toujours marcher. Non, parce dilué. Que ce ministère, c'est un ministère de corrompus. C'est des gars qui ont mis un système bien loué. Regardez dans les rapports des ministères les plus corrompus au Cameroun. Vous allez voir le mini-CAF. Non, moi, on a établi... Vous ne pouvez pas faire toucher du terrain au ministère sans parler argent. Regardez les décisions d'un tribunal. Regardez les agents. Qui faisait le partage de cette... Non, je crois que nous devons tout ça. C'est un établi qui a perdu le processus. On va avoir sûrement l'occasion de revenir. S'il vous plaît. On est ici. C'est moi qu'on regarde maintenant. On va avoir l'occasion, oui, Majesté, c'est moi qu'on regarde maintenant. C'est ça. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet parce qu'il est très important. On n'a pas eu le temps de véritablement l'éplucher. C'est juste qu'il avait un autre aussi tout aussi important en avant. Mais on va revenir dessus sûrement avant la fin de la semaine ou plus tard, hein, puisque ça reste également très d'actualité et très important. Ouah, très belle robe à pois pour un lundi soir. Willy, le sous-marin curé, diplomate églisien de la mission étatique du R. Monsieur le maire qui sûrement revient un week-end heureux, oui, Kungu, un autre églisien dans une casquette de Zomloa. Qu'ils sont nombreux dans ce studio. Ibrahim, celui que l'on va excommunier du partillon à mettre du brasier à Adam de partout. Voilà, la politique est un facteur d'union entre différents êtres humains où l'on devrait débattre en termes d'idées au lieu que de nous mettre sur la place publique des batailles de personnes. Ce rassemblement aujourd'hui nous présente des enjeux lucifériens dans un état de nature à fragiliser le jeu politique et démocratique dans les principes de rencontre, discussion et consensus. Malheureusement, la gouvernance du pouvoir de la mission étatique avait ses mots violents, ses pas affamés, moulinets, dresseurs d'abeilles, qui joue un rôle trouble, y compris sa Gestapo. Manifestons à nous un esprit citoyen et civique pour la bonne marche de la nation. Paix à l'âme de mon aîné qui ne cessait de décrier le foncier dans son Nungola natal parce qu'une caste de gérontocrates se sont accaparés d'immenses parcelles de terrain sans toutefois porter des noms qui renvoient à une entité anthropologique et créer une implosion sociale. Que l'on décrète la gratuité du titre foncier et l'on associe les populations au développement communautaire. C'est tout. Massop Thomas. Merci à vous cinq pour ce début de semaine. On se retrouve demain à 17h avec le même bonheur et le même plaisir. Merci Ismaël. Merci à Nice Nomo, à Benvas et à Jean-Martin Kenfak. Respect à M. Donévin. Bon début de semaine à tous. À demain.